Nintendo. Bonjour à Cassandre. Attendez, le drop? Oh oui. Oh le banger. Même les musiques, ils les ont refaites. Ils ont fait les graphismes, les musiques, les shaders. Et j'ai vu qu'ils avaient fait certaines améliorations aussi, notamment au niveau d'équilibrage et... et du côté un peu redondant qu'il pouvait y avoir. Hey. Démarrer. Alors oui, c'est un... Pour ceux qui ne connaissent pas du coup Paper Mario et la Porte du Millénaire, eh bien, c'est un jeu RPG d'aventure comique avec des combats en tour par tour et des énigmes à résoudre. Une cité gigantesque. Les gens y vivent heureux. Moi, j'y crois pas trop. Hein. C'est pour ça que c'est un conte de fées d'ailleurs. Hein, parce que quand ils écrivent que les gens y vivaient heureux, c'est que c'est un conte de fées. C'est une utopie. Mais un jour, un redoutable malheur s'est bâti sur la cité. Ah, voilà, déjà plus réaliste. Le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla. On évoqua la fin du monde. Une nuit. Et merci Titurumia pour le troisième mois de Prime. Et sur les vestiges disparus de la cité, se construit une autre ville. Ils sont morts, ils sont complètement dead, mort. Les habitants, mort. Et aujourd'hui, encore, cacher un trésor. Oh, le trésor légendaire de Port La Canaille. Voici donc l'histoire d'une quête. L'histoire du trésor légendaire et de la carte magique. De la ville maritime de Port La Canaille. Ouais! Ah, entracte. Introducing Princess Peach. Enfin débarrassé de Papy Champi pour quelques minutes. Les voyages c'est formidable, mais Papy Champi n'est pas de tout repos. J'aimerais bien avoir un peu de temps seul pour visiter. Il y a dans cette ville une atmosphère vraiment très étrange. Hé, hey, mademoiselle. Hé, hey, plus vite, mademoiselle, là. Vous voulez m'acheter quelque chose? J'ai un grand choix d'articles et celui-ci est très intéressant. Ce coffre est très joli. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? Raconte qu'il a la carte du trésor légendaire à l'intérieur, mais... Seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Moi, par exemple, je n'ai aucune chance d'y arriver. Ah bon? Bah pourquoi? J'ai aucune voix, c'est impossible de faire des voix. Oui, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Oui, allez, mademoiselle, allez, prenez-le pour voir. Franchement, qu'est-ce que vous allez perdre là-dedans? Et la Peach? Non, je ne l'ouvrirai pas. Au revoir, monsieur. Fin du jeu. Pas de kidnapping, pas de problème. Tout se passe bien. Et voilà, du coup, Mario arrive. Ils rejoignent Princess Peach. Ils font leur balade. Ils font leur enquête ensemble. Et bah non!
Mort. Morte, morte, morte. Voilà le courrier! L-U-I-G-I... Ah. Ok, Splatoon. Hey Mario, on a reçu une lettre de Princess Peach. Je vais te la lire, d'accord? Alors, Attends, mais depuis quand Peach est médecin? Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon et... Au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte. Une carte au trésor. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Je sais bien que je n'arrivais pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. T'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. T'attendrai sur le port de la ville Port-la-Canaille. Pêche. Et c'est pourtant vrai, Mario. Elle est une vieille carte de la lettre. Regarde. Oh! Mais putain, Suika Game. Très bien, Suika, c'est super. Comment casser la cinématique? Pepper Mario, la porte du millénaire. Qui se souvient de Suika Game? Le prime de cette chaîne, hein, évidemment. Prolo. Est-ce qu'il y a des prolos dans le chat? Bouchaillon. Moi, je fais partie des prolos maintenant. Debout là-dedans. Votre ville de destination pour la canaille est en vue. Nous serons bientôt à quai. Préparez-vous à débarquer. Oh, ça rime. Bravo la rime. La musique. Parle, Moussaillon. Nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Je vous ai pourtant parlé de Port-la-Canaille pendant le voyage. Quoi, une princesse vous attend ici? Bah, ça change tout alors. Ah, dans ce cas, je n'essaierai pas de vous retenir. Ah, mais je vous en prie, soyez prudent. Allez, à la prochaine, tard plus. À plus en LAN, à plus dans le bus. Salut, Bat Cervantes. J'ai détruit ton pseudo, Bat Cervantes. Hop, le marteau, évidemment. La base. Le saut. Attends, mais comment ça on tape avec... Non. Y a un problème là. Comment ça je saute avec B? Depuis quand? Non, c'est impossible. Attends, mais je ne peux pas changer ça? Ouh là là. Très chiant. Bloc sauvegarde. Sauvegarder. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ça se change pas, bah je crois pas. Ne fais pas l'innocente. Comment je lui fais sa voix, lui? Une voix un peu de pervers, là, je pense. Ou alors une voix un peu goofy, je sais pas. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Je sais pas, un truc un peu... Ah non, j'ai rien à vous dire. C'est ce que nous allons voir. Emmenez-moi cette gamine au repère. Et compris, grand crux et crocs. Mais arrêtez. Je vous le suivrai pas, hors de question. J'avais du droit à pouvoir t'en tirer comme ça. N'y compte pas.
Tu vas voir ce que tu vas voir. Oh. Oh, la musique, elle a changé. C'est pas celle-là avant. Ah si. Mais remixé encore une fois. Donc comment ça marche les combats? Bon, je vais vous expliquer, Goumili va expliquer, mais bon, je peux vous expliquer aussi. Hein. C'est un combat, tu dois vaincre ton adversaire. Pour l'instant, que sans toi, tu utilises saut et marteau. Bon, le marteau fait autant de dégâts que le saut, mais le saut, il faut appuyer au bon timing. Donc en fait, on a plusieurs attaques, donc c'est du tour par tour. Pardon, excusez-moi. On va avoir plusieurs actions dans les combats. On a l'attaque saut, les attaques sautées, les attaques marteau. Les objets, donc on va avoir plusieurs objets très intéressants qu'on aura pendant la partie. Là, on en a actuellement pas du tout. Et puis, on a les stratégies. Donc, on va pouvoir se défendre donc pour être plus résistant. Temporiser certainement des tours. Il y aura d'autres trucs qu'on pourra faire aussi avec ça. Dont fuir notamment. Mais là, on va commencer par le saut. Et du coup, si j'appuie sur le saut au bon timing, je peux faire un deuxième saut. Et ça va être très utile plus tard. Donc là, si j'avais appuyé sur le bouton A au bon timing, j'aurais pu bloquer. Mais alors, je sais pas dans le tuto si on peut bloquer. On va voir. Attendez, je vais essayer. Pardon. Ah, voilà ça, voilà si. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton A au bon timing. Ce qui m'a permis de bloquer, de réduire les dégâts d'attaque. Il me semble qu'il y a aussi la même chose avec le bouton B. Mais genre, c'est pixel perfect. Et par contre, tu renvoies un dégât carrément. Hop là, j'ai obtenu des P points étoiles. Bravo, tu as gagné des points étoiles. Tu gagnes des points étoiles pour chaque victoire en combat. Les points étoiles remportées apparaissent là-haut. Tous les 100 points étoiles, ils montent d'un niveau. Et n'oublie pas. Yeah. Eh, tu es plus fort que je pensais. Moi, chiché comme ça. Avec moi. Attrapez-les. Oh bordel. Par ici, par ici. Voilà. Est-ce que je vais réussir à faire le doublage pendant des heures? Pas sûr. Ciao, Linulos. Stop! Où sont-ils passés? Oh! Je j'enfuis! Merci, grâce à toi, j'ai pu leur échapper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. Oh! Bah, ouais! Ouh, ça va pas là? Oh, ouais! Oh, ouais! Oh, ouais! Oh, ouais. Je m'appelle Goumili, je suis en licence à l'université de Gomorbonne. Enchanté. Et toi, qui es-tu? Oh, yes! Je connais pas ce nom. Je suppose que toi aussi, tu viens d'arriver en ville. Oula, ils se font tabasser derrière. Allô, le chat? Connexion au chat. Ah putain, mais je me disais, mais depuis tout à l'heure, les gens parlaient pas, j'étais en mode. Bah, Je me disais bien que j'avais été déco du chat. Vous êtes où? J'ai vu reconnexion. D'accord, j'étais en mode. Bon, bah, ça y est, les gens ont plus envie de parler. Mais bon, c'est comme ça. Moi, il me plaît pas beaucoup cette ville. Et le pubule d'individus plus louches les uns que les autres. Remarque, il ne s'appelle pas pour la canaille pour rien. Je ne serais jamais venu ici sans tes histoires de trésors légendaires. Toi aussi, tu cherches le trésor légendaire? Non. Mais comment ça se fait? Waouh! Mais ça alors, c'est une carte? Où l'as-tu trouvé? La princesse pêche! Oh, c'est toi, Mario! Quelle bonne surprise de voir ici! Mais au fait, que fais-tu à port la canaille? Quoi? Biche t'a écrit envoyer une carte au trésor. Elle t'a donné rendez-vous ici. Où est-elle? C'est moi qui devrais poser la question. Si nous sommes arrêtés ici, c'est
que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Mais ça lui ressemble, alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite et... Ah, je sais pas quoi faire, je suis très inquiet. C'est la chance de te voir, Mario. Nous allons la retrouver. C'est plus mon problème. Tu te démerdes. Allez, moi, je vais aller dormir, une petite pièce. Ça, c'est vraiment ça en plus. N'hésite pas à y aller, toi aussi, hein, si ton nombre de péchés diminue. Un passage à l'auberge permet de récupérer tous tes péchés. Cette ville n'a pas vraiment l'air très sûre. Tu vois, le Goomba, juste derrière, là, à droite, là, il est pas net. Ne retourne pas. Non, le regarde pas, le regarde pas. Mais... Il est quand même bizarre. Mais ne retourne surtout pas. Je croise pas son regard. La princesse Peach dont il parle, c'est la princesse du royaume Champignon. Celle qui s'était fait enlever par Bowser et que tu as délivrée. Alors, celle qui t'a envoyé la carte au trésor. Oh, tu casses les couilles, Gomelli. C'est bon, c'est quoi toutes ces questions, là? Bon, vas-y, fais une photo et à bientôt, à plus tard. C'est vraiment la fangirl de Peach et Mario. Ça se trouve, elle est partie à la recherche du trésor sans attendre. Viens avec moi, Mario. Mon tuteur fait des recherches ici, sur le trésor. Montre-lui ta carte. Si tu trouves le trésor, tu trouveras sûrement la princesse. Très bien, alors allons-y. Gomelli se joint à Mario. Oh non. Aptitude de Gomelli. Aux abords de personnages et objets, cette icône peut apparaître sur Gomelli. Appuyez sur X pour X. Appuyez sur X pour en savoir plus sur quelqu'un. Ok. Goom crédule un Goomba. Il se plaint toujours qu'il s'est fait arnaquer. Mario Paper est un de mes jeux préférés de l'histoire. Oui, moi aussi. Appuyez sur X pour tout savoir à propos d'un lieu. La grande place de Port-la-Canaille, c'est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Il y a toujours plein de gens, mais il y a aussi des types pas fréquentables du tout. Yes. Mario est content. Vous obtiendrez parfois de précieux renseignements. N'hésitez pas à faire appel à elle dès que vous le pouvez. Évidemment, on le fera absolument jamais. J'ai tout compris. Gomelli également, fort utile en combat, elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coup de tête. Et décrire vos adversaires, ou vous indiquer leur nombre de PC avec l'aptitude indique. Comment ça va trouver mon professeur? En fait, tu viens d'arriver moi aussi, je ne sais pas où il habite. Voilà quoi ressemble professeur Gumenstein. Une tête tout à fait normale. Vous voulez mon avis? Il inspire la confiance. Bon, et avant que j'oublie, à partir de maintenant, si tu sais plus quoi faire, ou aller appuyer sur ZL. Je ferai un topo sur la situation. Je me rappelle pas si c'était déjà le cas à l'époque, le fameux topo là. Save. Bon, je trace. Que le jeu est très très long, donc s'attarder est pas forcément très utile. Oh le bâtard! Non mais il exagère! Ce type de bouscule et des camps comme si de rien n'était. Incroyable, il a de... Oh, je suis énervé là. On va lui casser la gueule, lui. On pensait les parties par là. Oh! Oh, rends-moi mes thunes, bâtard! Hein? Je ne pensais pas que tu me poursuivrais jusqu'ici. Ça suffit dans les idées. C'est bon, je vais te les rendre tes pièces. Hop là. Bien. Oh, ça donne des pièces de tuer des cafards. Ou des limaces. Je me rappelais pas de ça. Mais je crois que c'est nouveau les limaces. Le remix de la musique, il est énervé.
Évidemment, très important de tabasser tout le monde. Ah oui, lui, je crois qu'il nous tape si je le tape. Ah non, faudra l'affronter peut-être. Ah non, faut payer. Ah oui, c'est ça. Faut payer 10 pièces. Ah oui, non, ça vaut pas le coup de façon pour l'instant. Oui, voilà, on pourra le battre à un moment donné, mais pour l'instant, on est vraiment pas fort du tout pour le battre. Et puis, il n'y a pas trop d'intérêt à aller derrière. Les musiques sont très trop énervées. Bah, c'est vrai que c'était plus calme à l'époque, et ils les ont rendues un peu vénères, j'ai l'impression. Professeur Gumenstein ! Oui, qui m'appelle ? Ah, c'est toi ? Attends, je ne dis pas trop long. Je vais essayer de le retrouver. Ah, voyons voir. C'était pas Gooberline ? Non. C'était pas Gooberça. Ah, oui. C'est... j'ai trouvé. C'est... Goumeli, tu étais dans ma classe en antiquité l'an dernier. C'est bien ça, Goumeli, je suis en licence. Ah bien sûr, je me souviens. J'ai une excellente mémoire. J'ai même une élève brillante. Mais qui donc ce jeune homme derrière toi? À qui ça? Mario, oui, le célèbre Mario. Eh, pardon, moi je suis toujours plongé dans mes recherches, alors... Je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans mon extérieur. En fait, qu'est-ce qui vous amène? À nouveau, donc, vous consultez à propos du trésor légendaire de Port La Canaille. Vous en pensez que vous aviez des choses à son sujet? Ah, bien sûr. C'est pour ça que je fais des études dans le trésor, celui-là, d'ailleurs. Hein. Parce que, bon, c'est un peu créneux, quand même, ici. Et pourquoi j'intéresse au trésor légendaire? Ah, sais-tu que son histoire est peut-être pure fiction? Je crois que démêler les vérités des légendes est la mission des chercheurs. Je suis persuadé qu'il existe vraiment le trésor légendaire. Et je vais le trouver. Superbe réponse. Je vais donc tenter de vous aider. Mais avant tout, nous devons déterminer la nature exacte de ce trésor légendaire. Imaginez si c'était pas de l'argent, mais une malédiction. Alors ça veut dire que c'est un trésor inépuisable. Et Luke, c'est un objet magique. On dit aussi que c'est un monstre, ou bien un coffre vide. Chacun va de sa petite histoire et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, j'espère que pour vous que c'est un super trésor génial, avec plein d'argent. En tout cas, il faudra des gemmes étoiles. Réunis cette gemme étoile et la porte millénaire qui porte le trésor s'ouvrira. Je crois avoir déjà lu ça dans un livre. Oui, forcément, c'est vrai. Et donc, d'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir les 7 gemmes étoiles. Eh, mais je me suis penché sur la littérature associée au trésor et ça colle avec cet ancien adage. Qui tient la carte magique, à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir. Ainsi lui seront révélés le chemin, la position des étoiles. Ne s'agit-il pas justement des gemmes étoiles? Ah, c'est forcément ça, oui. Ah, c'est logique, quoi. J'ai de la chance, la porte millénaire se trouve quelque part dans les sous-sols de la ville. Le plus problème, c'est qu'il nous manque la carte magique. Ah, si seulement nous l'avions, là, ça serait quand même assez fou que quelqu'un l'ait, là, maintenant, tout de suite. Sur lui. Mais nous l'avons, professeur. Mario, la carte. Quoi? Oh, c'est vrai. Bonjour la boîte, tu veux? Pardon. C'est bien elle. C'est notre carte magique. Incroyable, tu es formidable, sensationnel, exceptionnel. Avec cette carte, nous irons devant la porte millénaire et découvrirons l'emplacement de la gemme étoile. D'accord, professeur. Le trésor sera à nous! À moi! Je vous conduis au sous-sol. Eh bien, ça en fait du dialogue. Bon, c'est le début, hein, c'est normal. Hop là. Bien sûr, on devrait pouvoir descendre dans les sous-sols. Allez, bon, c'est une épée sur loup. En fait, Mario. Parce que nous allons rencontrer une quantité d'individus louches. Je suis prêt à les affronter. Je suis en train d'utiliser la commande action avant qu'on descende. Quoi déjà la commande action? Ah non, merde, c'est un tuto encore de combat là. Ouais, non, oh. Bon, pour vous. Pour vous, le chat, évidemment. Oh. Donc, bon, en gros, le saut, on peut appuyer. Voilà.
si jamais j'appuie au bon timing, je vais pouvoir toucher plusieurs fois, genre là, 1, 2, bravo à toutes et à tous. Mouvinette, merci pour le 14e mois. Là, je vais essayer de parer avec A. Hop là, c'est bloqué. Tu peux exécuter la commande bloc. Par conséquent, tu as subi moins de dégâts. On va pas essayer de marteler en espérant que ça marche. Timing est essentiel. Guylaine, merci pour le... Non, j'ai dit remercier à l'instant, mais merci beaucoup pour le 14e mois. C'est quoi un peu le baromètre? Ok, 656. Ouais, j'ai vu une question tout à l'heure qui disait pourquoi tu as beaucoup moins de subs qu'avant. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Voilà, je suis finito, voilà, c'est, je suis finito, c'est terminé, c'est la fin, voilà. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est qu'en fait, je pense que déjà, les primes, la plupart des gens galèrent à les réactiver. Je pense qu'il y a beaucoup moins de primes globalement, parce que c'est devenu la galère pour s'abonner. Et peut-être la Zilane en vrai a été terrible. Je pense que la Zilane a déplu beaucoup. En réalité. Scully, merci pour le prime, merci Robin pour le prime aussi. Non mais par contre je pense que effectivement le mois de Zilane n'a pas du tout, mais alors pas du tout aidé la chaîne. Et c'est pour ça que j'hésite l'année prochaine à train la Zilane en live. Peut-être la première semaine et puis c'est tout. Mais à mon avis. Ça va beaucoup moins train la Zilane. Parce qu'au bout d'un moment, les gens en ont marre, du coup ils sont en mode putain, mais c'est une chaîne Zilane, j'en ai rien à foutre, je me désabonne. Putain, le timing est chaud. C'est vrai que ce timing est chaud. Attends, il faut que je le chope le timing. Trop tôt. Ah ouais, c'est bien plus tard. Complètement l'inflation, c'est possible aussi. Hyperlux, merci pour le prime. Ok, c'est vraiment tardif. Tu fais contre Rankbait, tu infliges des gars au lieu d'en chépir. Le timing est plus chaud, mais par contre c'est broken. Merci pour les 599 bits renders. Merci également Marguimi pour le 5e mois. Tout nu pour ONU bien sûr, hashtag tout nu pour ONU. Hashtag tout nu pour ONU. Hop là. Pareil, les jeux étaient vraiment chiants à regarder tous les jours. Ah ouais. ONU love, ONU love. Mais je pense que c'était marrant au début de voir les jeux et ensuite c'était chiant. Normal. Dis donc l'ami, tu fais quoi par ici? T'es venu nous chercher des noises? Tu sais que t'es chez nous, mec. Typiquement le genre de snob qui se la pète parce qu'ils peuvent voir le soleil et respirer de l'air pur. Et toi, ouais, le moustachu, là. Viens là, qu'on t'apprenne les bonnes manières. Laissez-le tranquille, malotru. Les égouts appartiennent à tout le monde. Si c'est comme ça que vous accueillez les visiteurs, vous méritez d'être coincés ici, bande de champis puant la merde. Vous êtes des grosses merdes qui puent la merde. Je rêve. Il nous manque de respect, là. On leur a rien fait, ils nous agressent. Non, mais oh. On va leur apprendre la politesse, nous. Taillot. Pardon. Merci Liebes à Pikachu pour le prime, merci monsieur le magicien pour le prime, merci beaucoup. Bon là il va nous expliquer que tu peux pas sauter sur les gens avec des pics, que tu peux pas utiliser le marteau sur les volants, et voilà. Logique. Tu peux utiliser Y ? Pour changer le tour, voilà. Bon désolé, je skip un peu les dialogues, il y en a vraiment beaucoup et c'était pas très intéressant. Alors, le combat, on va commencer par détruire le Paragumba parce que ça c'est le plus chiant. Yeah. Goumeli, coup de tête sur le premier. 1, 2, bravo. Il est mort. Ah, j'ai voulu tenter le contre. Faut vraiment que je m'entraîne le timing du contre. Still.
Alors oui, vous allez voir qu'il y a des techniques de style dans le combat. On peut faire des sauts, des trucs après chaque attaque qui permet d'engranger des points de fame. Et les points de fame permettent de recharger l'ulti. L'ulti qu'on n'a pas encore. On aura les ultis avec les gemmes étoiles qu'on va débloquer plus tard. Et Mario, je crois que nous n'allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individu. En combat, attaque l'évêque saut au marteau comme tu viens de le faire. T'attaques le premier, tu auras l'initiative. Donc effectivement, si on tape les ennemis pendant cette phase-là, eh bien, on aura une attaque gratuite au début. Alors, je sais plus s'il faut aller là. Je crois pas. Je me suis déjà perdu. Voilà. Hop là, coup de marteau dans la gueule. Donc, je commence avec déjà un coup de marteau gratuit. Hop. Bravo. Je meurs. Merde, je l'ai pas vu lui. Où il a des objets? Non, je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Aptitude. Indique. Vas-y, comme ça on va récupérer les infos du man. C'est un Goomba pic. 2 PC, 2 puissances. Elle a 2 PC, le mec, il est en double PC pour streamer. Oh, let's go, le contre. Timing de fou. Yeah, still. Attends, mais pourquoi je l'ai pas tué? Hein? Défense. Bon bah je vais le tuer avec le contre. Hop là, ça dégage. Bravo. Dans ce jeu, faut pas hésiter à farmer les ennemis pour récupérer un max d'XP. Parce que les levels sont importants. Le jeu est assez dur en réalité. Mort. Mort. Ok. Un champignon. Il fait quoi le professeur? SCTP. Champignon pour ce heal. Fleur de feu pour brûler tous les ennemis, leur faire un max de dégâts en zone, en AOE. Bon ici on pourra souffler dessus plus tard. Oh là là, tous les souvenirs du jeu, incroyable. C'est le fit. Oh. Hop, c'est parti. Comment ils s'appellent déjà eux les... Oh merde, j'ai loupé. Je suis trop con. C'est les Inya. Ah, c'est Inya, ok. Je crois qu'ils ont 3 PV. Ouais, ils ont 3 PV, c'est ça. Ah, j'ai pas réussi le contre. Le timing est chaud ici. Donc, si je comprends bien, le début du jeu, c'est obtenir des P et de lâcher des caisses. En gros. En gros, c'est ça. Hop. Bon, bah, lui est d'edge. Simplement. Super jeu, le jeu est excellent. Ah, attendez, on va essayer le contre. Non, putain, le timing est dur. Après, je pourrais prendre 0 dégâts. Hein. Mais je veux m'entraîner nos amis des contres, ça a l'air super important. Enfin, c'est pas que ça a l'air, c'est que... En vrai, moi j'avoue que j'ai fini le jeu sans utiliser les contres parfaits, j'utilisais que les blocs. Mais je pense que maintenant, en 2024... Je peux peut-être apprendre à utiliser les contres. Ça me paraît pas impossible. Oh.
Oh, tu entends ma voix? Eh bien alors, tu dois être le héros légendaire! Seul le héros peut entendre ma voix. Mais moi je l'entends. Mais moi aussi je l'entends. En fait, j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Et puis tout ce temps, j'attends la venue du héros. Mais au fait, que fais-tu ici? Je sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre, il est un peu bizarre quand même. Je pense qu'il vaut vraiment mieux ne pas lui dire que nous cherchons les gemmes étoiles. Oh merde, je viens de le dire. Ah merde, je suis vraiment trop con. Oh là là. Pardon, je suis un peu malade. Vous cherchez les gemmes étoiles? Et donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes étoiles, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre, et fais-moi sortir de là. Tu es pas sûr que ce coffre soit spécialisé des gemmes étoiles? Qu'est-ce qu'on fait, Mario? On va quand même l'aider, hein. Trouve la clé, reviens m'ouvrir. Elle doit pas être loin. Elle ressemble à ça, carrément, t'as vu? Hop là, insérer PNG dans la bulle, c'est juste en haut. Voilà. Au cas où, tu cherches pas à quoi ressemble une clé. J'en supplie, héros légendaire. Donc ça, ah bah c'est vrai qu'il va donner le pouvoir du... Ah oui. C'est vrai, il va donner le pouvoir de se transformer en avion de papier. Parce qu'on joue à Paper Mario, donc le papier égale transformation papier. En tout cas, j'ai trop hâte de la transformation papier cul. À la fin, on va se transformer en PQ littéralement. Mais c'est broken, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est absolument broken. On va pouvoir torcher le cul de Bowser. Oh, tu as porté la clé, merci. Oh merci, ah vraiment. Ah, je t'ai bien baisé, je t'ai bien baisé. Ah monsieur. Pardon, excuse-moi, je suis un peu malade. Waouh. Je t'ai bien eu. Mais vous attendez à quoi, hein? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable bénéfice. Prépare-toi. Mort. Mort, mort, mort. Moi, tu vas l'ensorceler, tu l'as pas volé. Écoute-moi bien ce que je vais te dire, grosse merde. Dorénavant, quand tu as pu rassurer Y à certains endroits, tu te transformes en avion de papier. Alors, t'as vu, c'est un bénéfice, mais tu l'actives quand tu veux. Ça te casse les couilles, hein. Ça te fait vraiment chier. Bon, si t'appuies jamais sur Y, tu seras jamais maudit. Mais ça t'emmerde quand même. Alors, surpris, tu dois vivre avec ce handicap. Et oui, tu n'es plus valide. Oh, terrible, hein. C'est terrible, hein. Tu me fais quand même un peu de peine. Alors, je vais te donner des explications. Si tu tires sur un panneau avion... Eh oui, parce que sinon, tu ne transformeras pas, d'ailleurs. Tu peux pas te transformer en avion n'importe quand. Donc, en fait, ce maléfice, c'est que si tu vas sur cette plateforme, les nuits de pleine lune, et que tu appuies sur Y. Sinon, ça t'handicape pas trop, mais j'espère que ça t'emmerde. Bravo, appuie sur Y. Tu changeras d'avion, appuie sur Y. Y. On voit que tu pourras guider l'avion en inclinant L. Ouais, si t'inclines trop longtemps, bah tu vas perdre de l'altitude. Et la clé est d'arrêter d'incliner L quand tu prends de l'altitude. Allez, à toi de me subir les affres de la malédiction. N'hésitez pas. Bon allez, tu te dépêches là. Pas que ça à faire, moi. Oh, cette malédiction devient trop insupportable et plus sombre pour retrouver ton état normal. Et oui. Bon. Voilà, c'est quand même une gentille malédiction. Je suis pas un bâtard. Allons, parle-moi franchement. Sais-tu à quel point cette malédiction est abominable? Alors, salut, abruti. Sacrée malédiction, ça. Non, mais c'était que à ce type, là. Je suis maudit, ma vie est fichue. Ma vie est fichue. Non, je vais me transformer en avion papier. Ah
Oh, c'est horrible. Non. Oh. Mario Gomelli, regardez là-bas. C'est la porte du mille. C'est formidable. La légende est donc vraie. Approchons-nous. Il est vraiment trop méchant. Waouh. Oh, 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 oh. Du coup, la porte du millénaire, elle est tranquille dans les égouts moisis, c'est ça. Mais professeur, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Moi, j'en ai ras le cul. Oh. 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 Château. Oh, la position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. Ils veulent pas toutes les inscrire d'un coup, ça sera fait. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale top form. Ah déjà ? Sans la gemme ? Ah ouais ? Pardon. Bon, rejoins-nous, chez moi, tu es la carte le plus près. Ouais. Je vois. T'as compris quelque chose, professeur? Ah non, pas du tout, moi j'ai rien compris, moi je sais même pas ce que je fais là. Ah putain, si. Je vous ai expliqué la première chose à savoir, c'est que... La carte magique est prodigieuse, et oui. Vous avez vu, je suis vraiment professeur. Hein. J'ai mes lunettes, j'ai une coupe à la Gérard Junior. Je semble intégrer une fonction de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et après elle, la première gemme se trouve dans la plaine des Dragobé. La plaine Dragobé. La plaine Dragobé est située à l'est de par la canaille. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. Et souvent le nom du Dragobé dans les ouvrages qui traitaient du trésor. Mais comment fait-on pour se rendre là-bas, professeur? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville, un tuyau qui mène directement. Mais en fait, Mario, comment as-tu trouvé cette carte? La princesse Peach, celle qui te l'a envoyée. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille que j'ai vue dans la rue l'autre jour, là? Ah mais bien sûr. Et oui, parce que des princesses et des jeunes filles, il y en a qu'une seule. Et oui. On a posé des questions sur le trésor. Ah, je lui ai dit que je savais. Je lui ai dit ce que je savais sur les gemmes étoiles. Et la plaine Dragobé. Là, je trouve elle est partie là-bas toute seule. Au fait, je me demande où sont les sales types qui cherchaient les gemmes. Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête? Écoutez. Dirigez-vous tout de suite vers la plaine de Dragobé. Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite. Pour le moment, la seule chance que l'on ait de trouver la princesse Peach est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Vous ne nous accompagnez pas, professeur? Ah non, moi je vais rester ici, hein. Vous croyez que je vais vous accompagner? Attends, on est bien là, hein. Je suis proche d'un club, normal. De toute façon, je suis vieux. J'aurais du mal à vous suivre. Venez me voir si vous avez du nouveau. D'accord. Pardon. Allons-y, Mario. Bon courage. Et maintenant, permettez-moi de vous faire les adieux. Bonne et due forme. Ah Mario, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Tout d'abord, c'est l'étrange lueur qui t'illuminait. J'ai vu que tu peux utiliser une technique spéciale.
Attends, mais j'ai une question. Est-ce que, normalement, on est d'accord que Top Form, donc est le premier ultime, on le débloque que après avoir battu Kerbarok, là. Là, il nous le donne en avance. J'ai l'impression qu'il nous le donne en avance. Pour faciliter un peu le jeu. Mais j'ai un doute. Et ça me paraît bizarre qu'il nous le donne tout de suite. La technique spéciale Top Form permet à Mario de récupérer des PC et des PF. Ah, tu l'as vraiment à ce moment-là dans le jeu? Ok, je me rappelais pas. Ah, c'est séisme après, ok, pardon. Oui, c'est vrai qu'on lance comme ça. C'est vrai que c'est un peu la galère. Je me rappelais que c'était un peu galère. Ah oui, voilà, faut pas taper les champis sinon t'es stun. Mais c'est bon. Ta-ta-ta-da. Tu as utilisé ton point d'énergie, regarde, la jauge est vide. Quand la jauge est vide, tu peux la remplir à nouveau. Et pour ce faire, tu dois avoir recours à l'aide du public. Bon, là, il y en a pas beaucoup, mais... Tu peux remplir ta jauge d'énergie, et toi, en faisant un plaisir au public. Ah, ils veulent que je l'attaque? Je l'attaque. Ouais, ils sont trop contents. Joli, chaque fois que le public est content, on gagne un peu d'énergie étoile. On va pouvoir faire des attaques de style, regardez. Vous êtes prêts pour l'attaque de style? Regardez ça. Waouh! Joli, encore un peu d'énergie étoile. À chaque fois que vous réagissez à un joli coup, le public augmente. Le nombre de personnes présentes, le public est indiqué ici. 15. 15 viewers. Bien compris. Un public nombreux augmente les chances d'obtenir de l'énergie étoile. Je peux pas utiliser ta commande charme. Et il s'explique pas les points de style, n'empêche. Intéressant. Oh, un badge. Le coup fort. Donc les badges, c'est des trucs, c'est des sortes d'items ou des bonus que tu peux rajouter sur tes... pour améliorer tes armes. Et va y avoir des points. Veux-tu t'entraîner à t'équiper les badges? Non, je vais m'en occuper, ça, t'inquiète pas. Non, je veux pas m'entraîner, t'inquiète. Hmm. Oui, je sais que ça consomme des points fleurs. Du coup. Badge. Donc là, par exemple, regardez, on a des PB. Donc les PB, c'est les points badge. Avec les points badge, on va pouvoir activer des badges. Les badges peuvent donner énormément de bonus, certains même très très forts. Donc le coup fort, par exemple, ici, qui me permet d'avoir une compétence supplémentaire qui s'appelle coup fort. Voilà. C'est quoi ça? Il me dit rien du tout, lui. Et salut, petite tête, tu veux savoir ce que c'est de ce badge vraiment? Je t'ai encore perdu dans la mêlée. Oula. Tu as du potentiel, ça saute aux yeux. Mais il te reste encore beaucoup à prendre, petite tête. La technique style, déclencher un bingo, j'en passe, n'hésite pas à me sonner si tu as des questions. Ça, c'est une nouveauté. Maître de la castagne, là. Enfin, on est bien d'accord que ce personnage-là n'existait pas. Ça, c'est nouveau, ouais. Attention, je m'envole. Ah non, je voulais pas te parler. Oh. Mort. Balabalabalabalabam. Oui, c'est vrai. Alors, c'est visqueux et bon, on va pas se leurrer, c'est quand même assez répugnant. Bon, c'est pas très sympa.
Ça commence. Vous avez osé attaquer le grand Bloops? C'en est fini de vous. Ah, tu es bien effronté, oh, ma moustache. Tu ne tiendras pas une minute. Comment il sait? Mario, tu n'as pas oublié le conseil du professeur? Tu peux utiliser Y pour inverser notre ordre d'attaque. Oh, c'est bon, t'inquiète. Ça va le faire. Déjà, regarde, tu vas pouvoir faire un marteau fort. Carrément sur sa tentacle. Oh là là, waouh! Trop stylé. Je suis trop stylé sur le jeu. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Rien. Merci Jean Blash, merci pour le 6ème mois. Ma force t'impressionne, tu me trouves trop fort? Ah, pas vraiment. Bonjour Onu, bonjour tout. Ah, on doit lui répondre. Tu te dis, ce Bloops, il en jette quand même. On va l'énerver un peu. Non. Hey, oh! Ah, j'ai pas réussi le counter. Trop dur le timing du counter en vrai. Oh, il est tellement dead. Oh, le pauvre. Fait trop de la peine! Oh non, il me fait trop de la peine. Oh, je lui mets un énorme coup fort en plus. Oh là là. Stylé. Ah mais il joue toujours pas. Ah si, il se réveille, ok, nice. Stylé. Attends, mais j'ai le double champi maléfique. Oh là, non, chat. 20 P obtenu. Bravo. Onu qui ne scanne pas, le Bloops est ripé de 100%. C'est nécessaire, je me rappelle pas. Après, c'est pas très grave. Hein. Chapter 1. Mario plus château plus dragon. Ah, je la connais cette musique. Voilà donc la plaine Dragobée où on doit trouver la gemme étoile. Mario, je crois que notre quête commence. Pa 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 la pa 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 la la la. Oula. Je suis fait dessus! Eh, hey, c'était quoi ce truc? J'ai jamais vu un monstre pareil! Je pensais pas qu'on verrait ça en arrivant ici! Cette chose est partie dans le château, non! Ne traînons pas! Pour revenir, allez, c'est parti! Excusez-moi. Un champignon! Où tu fumes? Ah! Mort. Incroyable. Quoi là-dedans?
Oh, le chaud devant. Ok, je crois que le badge est pas ouf, mais... je sais plus. Si Mario a 5 PC au moins, il esquivera parfois les attaques. Ah si, c'est bien. Pardon, c'est bien. Je saute. Alors, il me semble, petite astuce, vous savez les Goombas qui volent là. Si tu leur mets un coup de marteau, alors même s'ils volent, ils seront au sol et tu pourras quand même leur donner un coup de marteau. Bon là, je vais me sauter dessus, mais j'aurais pu lui donner un coup de marteau, ça aurait marché. Ouais. Hop. On pourrait faire un top form en vrai. Faut l'utiliser dès que je peux. Hein. Salut Cubito. Merde. J'ai spammé. C'est trop dur de viser avec ça. Oh. C'est quand même pas mal. Jump tap. Oh, bientôt le level up. Ça va être énorme. Est-ce qu'on se fait une run badge ou pas? Parce que les badges, c'est vraiment broken en vrai. J'hésite à me faire une run badge. Parce qu'en fait, on pourra choisir quand on level up ce qu'on monte en points. Est-ce qu'on monte les PF, les PC ou les points badge? Et c'est vrai que les points badge, ça peut être très fort très vite, quoi. Il me faut coupec. Ouais, je l'ai pas encore. J'ai jamais fait la run badge avant. Mario, tu ne sais pas très bien ce que tu dois faire? Bah, hésite pas à me demander parce que bah je sers à rien sinon. J'adore cette musique. Voilà, je vous le dis. C'est un peu risqué, mais je trouve la musique très stylée. C'est plus marrant les run badges, je trouve. Après, faudra quand même monter un peu les PV et PF, mais pas tant. Oui, c'est ça en fait. Mais ouais, les run badges, c'est trop drôle. Ah shit! Il doit y avoir un tuyau derrière. Oh! Ça alors! Comme si je connaissais le jeu! D'ailleurs, je me demande si je vais à droite. Oh le pont! Waouh, beau! Waouh! Oh! En allant sur la droite, il y a un autre truc. Magnifique, un morceau étoile. Bon là, il n'y a plus rien, je crois. À moins qu'ils aient rajouté des trucs, mais non. Un rappel. Ça ressemble à un rappel de Pokémon, mais... ça ne sert pas à ça, je crois. Je sais plus à quoi ça sert. Je crois que ça vaut de l'argent, non? Je sais plus. Mystère, que va-t-il se passer? Comment ça? Ça me dit rien du tout, ça. Une fleur de feu. À gauche, il y avait rien, je crois pas. Et là, le village. Excuse-moi, je vais me moucher. Je m'en sors pas mal avec la voix en vrai. On sent que c'est la fin de la maladie. Bonjour aimable voyageur. Ici, vous êtes à Carafleur. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de visiteurs. Depuis que c'est terrible Carabroc, Carbocroc survole les alentours.
Disons simplement qu'à cause de ce dragon, le tourisme est en chute libre. Et Carbara, Croc, c'est sûrement le monstre de tout à l'heure. Carbonara Croc, hein, rien que son nom. Mais bref, passons, tu as déjà entendu parler des gemmes étoiles? Mais putain, mais arrêtez de parler des gemmes étoiles à tout le monde. Imagine, c'est un sbire de Bowser, ça. Peut-être que Bowser aussi, ça l'intéresse, les gemmes étoiles, on sait pas, tu vois. Les gemmes étoiles, tu dis? Non, je ne vois pas. Mais tu devais aller poser la question au patriarche. Il est très vieux, et cultivé, et il a roulé sa carapace, comme on dit. Le patriarche habite dans la maison Rose, un peu plus loin, allez le voir. La maison Rose, un drôle de goût, on devrait trouver facilement, d'accord, merci. Drôle de goût? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Gomeli? What the fuck? Salut. Bonjour, nous proposons des séjours à 5 pièces. Wouah! Trop cher. Quoi là-dedans? Non mais où? 5 balles, il a pété un plomb. Oh. Ah bonjour, vous venez pour la première fois, n'est-ce pas, cher client? Nous expliquerons toujours aux nouveaux clients le système des points boutiques. Nous vous obtenez un point boutique par objet acheté. Vous pouvez accumuler jusqu'à 300 points. Les points obtenus donnent droit à des cadeaux, parfois incroyables d'ailleurs. La nature des cadeaux est affichée dans la boutique, je disais un coup d'œil. Non, j'achèterai que des badges, moi. Voilà. Non mais je pense qu'il faut que je... Moi je veux des badges, moi c'est une run badge. On va économiser pour les badges. Ça coûte cher les badges. Oh, ce personnage. J'ai des PTSD de ce perso. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez de quoi je parle. Le personnage le plus casse-couille du jeu. Voilà, je vous le dis. Là comme ça on dirait pas, mais il va nous casser les couilles, hein. À un moment donné. Et si on touche pas? Et si on touche avec les yeux, c'est compris? Tous ces objets sont ultra rares, alors bats les pattes! Un peu creepy le gars quand même. Hein. Un peu creepy. Sauvegarder. Je sais plus si parler aux gens, c'est un intérêt dans le jeu. Je crois pas, hein. Je crois que c'est rare qu'ils te donnent des trucs. On peut lui parler à lui si ça vous fait plaisir. Je suis le Général Blanc. Je suis un bobombe, sans plus de rêve ni d'espoir. Je coule ici, des jours paisibles. Il me faut me laisser tranquille. Je parle au fou de Peach pour pas qu'il te tue. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey babe, good weather today, aujourd'hui, no? Non, je te parle pas, Mr. Moustache. Je parle à la jolie baby derrière toi, man. So, mademoiselle, tu me parles à moi ou tu préfères Mister? Je dis rien. Berk, c'est vraiment pas mon genre, laissez-moi tranquille. Oh, ouh, tu dirais que toi, chérie. Tu sais dire les choses. If you change your mind, tu sais où me trouver. Les Mario en file. Oh putain, les lourdos. L'énorme lourdeau, là. Bonjour, je m'appelle Bulbulb. Je nage dans le bonheur, entouré que je suis... j'adore les fleurs. Salut Erigone, je viens d'arriver, il est trop beau le jeu. Le jeu est très beau, hein. Le remake graphique est impeccable. Cet endroit est formidable. L'eau, l'air, ils sont purs. C'est un merveilleux village. Mais tout le monde l'oublie à cause de Carbocroc. C'est vraiment malheureux. Bon, les gens disent rien, évidemment. Oh, la copine de Coupec. Bonjour, je m'appelle Coupeline. Enchantée. Mais cette casquette, cette super moustache, mais c'est sûrement Luigi. Mario! En plus, je dis ça, mais en fait, je crois qu'il y a vraiment un perso dans le jeu qui confond et qui nous appelle Luigi. Ah putain, mais oui, c'est le pingouin enquêteur. Bon, c'est bon, c'est dans bien plus tard. Mais oui, ça me fume en plus. Il y a vraiment ce running gag dans le jeu. Ah, je parie que tu es venu ici pour terrasser Carbocroc. Ah, c'est seulement Coupec qui était aussi courageux que toi. Mon petit ami Coupec est très timoré. Ah, je sais pas pourquoi. J'aimerais tellement qu'il soit un peu plus courageux de temps en temps. Ah, pourquoi je suis tombée amoureuse de lui? C'est vraiment une merde, je pense que je vais le quitter. Répète pas, Coupec, que je viens de dire que ce que j'ai dit, d'accord?
Ah, c'est le patriarche. Qui êtes-vous ? Des voleurs ! Mais vous voyez bien qu'il n'y a rien à voler dans cette maison. Ah, si vous voulez un peu d'argent, ou ma vieille carapace usée, servez-vous. Laissez-moi juste les photos du bon vieux temps. Hé, hey, de quoi ? Ah mais qu'est-ce que vous cherchez alors ? Une gemme étoile ? Ah, va le dire tout de suite. Regardez, j'ai les 7 gemmes étoiles dans ma cheminée. Fin du jeu. Je disais quoi déjà ? Ah oui ! C'est Carbacroc qui l'a. Je sais pas si tu le sais, mais Carbacroc est un dragon colossal. Oui. Ah, je suis féroce, Carbacroc, terrorise notre village. Tardie et grande. Tu voudrais t'affronter Carbacroc pour nous ? Oui. Oh, quel homme de courage ! Si tu arrives à te t'arracher, nous saurons te témoigner notre reconnaissance. Ah, comment ? Ah, tu ne veux aucune marque de reconnaissance ? Ah non, j'en veux. Ah, quel personnage extraordinaire ! Ah, ça alors, dis-moi l'ami, comment t'appelles-tu d'ailleurs ? Marteau ? C'est un joli prénom, Marteau. Ouais, c'est bien. Entendu, Marteau, alors ? Ah, pour aller au château de Carbacroc, tu dois emprunter un tuyau secret sur la planète Dragobé. Il faut la clé soleil et la clé lune. Les clés sont cachées dans le fort baroque. Marteau, à toi le tuyau secret. Ouvrir. Ah mais c'est lui, c'est Coupec. Et quoi ? Tu comptes vraiment aller au château de Carbacroc ? Tu veux donc braver ce redoutable dragon ? Mais quand même mec, elle doit être super forte Carbacroc. Quoi ? Tu comptes vraiment y aller ? Il veut pas me rejoindre, pas tout de suite en tout cas. J'espère que Carbacroc fait sa trouille, mais les monstres du fort, un peu plus loin aussi. Y'a pas moyen de les attaquer normalement, il paraît que les flammes ne leur font rien. Bon, qu'est-ce que je peux faire ? Moi j'ai une matraque, dépenser tout mon argent parce que ça... Pardon. Salut petite tête. T'as besoin des lumières du grand maître Castagne ? Non. Je connais pas ce perso, il est tout nouveau. Je sais plus très bien combien de Carbacroc avait de victimes au total. Un certain César qui vivait à 2 villages d'ici s'est fait gober d'il y a peu. Le père de mon petit voisin Coupec. Il a jamais retrouvé son corps. Ah si. Ok, je me rappelle maintenant. Le chemin mène à une vieille citadelle que l'on appelle le fort baroque. Elle abriterait des monstres de pierre. La porte est fermée pour qu'il n'entre pas ici. Je pense qu'effectivement la porte m'a l'air assez résistante. À mon avis, ils rentreront jamais. Pardon, excusez-moi, un instant, s'il vous plaît. Oui, mec, c'est moi. Alors, je peux venir avec vous ? Voilà, je m'appelle Coupec, et j'ai entendu dire que tu avais l'intention d'aller au château de Carbacroc. Il se trouve que, enfin, je voudrais te demander une faveur. Eh bien, parce qu'en fait, attends 2 secondes, je vais boire un peu d'eau. Ah, en fait, non, pardon, rien du tout. Salut. Bon. Il est vraiment bizarre, lui. Qu'est-ce qu'il voulait ? Tous les gens sont bizarres. Pardon. Morceau d'étoile. Ils ont peut-être rajouté des nouveaux objets qu'il n'y avait pas avant. Regardez le test, marteau là-dessus. Et il va se baisser exprès pour que je mette le coup de marteau. Regardez ça, là, parfait. Attends, mais il est broken, lui, je crois. Mais il me semble que lui sauter dessus, ça le fait retourner sur son dos. Donc ça lui prend une action pour se remettre debout. Ah, 2 actions ! Ah, c'est free will. Oh, level up! Bravo!
Les PB. Moi, j'adore PB. Après, il faut un mélange de PF et de PB parce que les points badges, c'est bien. Mais si t'as pas de PF, tu peux pas trop les utiliser. Mais en même temps, les PB, bravo. Je viens de PB, GG à tous. Bon, j'ai pas encore beaucoup de badges, mais on va en obtenir plein là, de toute façon. Vraiment, des badges dans le jeu, il y en a vraiment énormément. Qu'est-ce que... Non, il a l'initiative. Je vais essayer de le contrer. Mario, regarde ce spectateur. Il a un énorme caillou dans la main. C'est pour t'attaquer. Les spectateurs peuvent t'infliger des dégâts en lançant des choses sur toi. Empêche-les d'attaquer. Sur X. Pardon. Bam. Mort. Bravo, tu peux appuyer sur X pour expulser les spectateurs qui semblent tenir des projectiles. Attention, certains admirateurs t'envoient parfois des pièces ou des objets, ne les chasse pas eux. Très bien Mario, maintenant essaie d'asséner un coup de marteau. Non. Mais quoi? Mais pourquoi? Mais je veux pas. Moi je voulais le retourner. Bah ouais, là il s'est pas retourné du coup, mais Goubelli. Ah oui c'est vrai, avec celui que le décor tombe. Mais... Mais Goubelli la merde, c'est une stratégie de merde. Faut lui sauter dessus pour le retourner lui. On a plus que 10 spectateurs. Un peu dague, hein. Voilà, retourne-toi. Je tente le counter. Oh oui, le counter. Ça l'a tué en plus. Le nulos. Ah oui, parce qu'il a pris un dégât du décor qui s'écroule. Ça, je trouve que c'est une bonne mécanique, le décor qui s'écroule. En vrai, c'est souvent à ton avantage. Hop, hop, stylé. Maintenant, je saute dessus pour le retourner, comme ça, il nous attaquera jamais. Hop. Bravo à toutes et à tous. Un bloc POW. Bon, les items on les gardera pour les vrais combats. Les vrais combats difficiles. C'est-à-dire pas ceux qui arrivent là. Ah, en vrai, ça c'est... Ah bah si. Si, on va devoir utiliser le POW. Pardon, j'avais oublié. Ils prennent pas de dégâts. Peut-être avec coup fort à la limite, mais ici, il faut utiliser le POW. Regardez. Allez, je vous montre que... Attends, est-ce que le coup fort fait des dégâts? Je crois pas que le coup fort fasse de dégâts non plus. Non, mais bon... Voilà, allez. C'est parti, le bloc POW. Au revoir à tous. Désolé. Normalement, quand tu fais le jeu pour la première fois, tu vas les taper, ils subissent pas de dégâts. Ou alors ça met 2 heures avec le marteau fort, ça utilise tout tes PF, mais un bloc POW, c'est terminé. Clac. Ah non, fallait que je saute dessus, je suis con. Et oui, avec sa carapace en plus, il a la défense, du coup il résiste. J'ai été bête. On va renverser lui aussi. Il est pas mort.
mort, mort, mort. Bravo. Ok, y a rien là-dedans. Je tape tous les buissons au cas où on puisse avoir des trucs. Hop, dans la gueule. Stylé. Un. Non, j'ai loupé mon saut. Comment j'ai fait? Oh, j'ai loupé mon saut, j'ai envie de crever. Envie de crevette. Bon, on va essayer le counter. Hop là, terminé. C'est pour m'entraîner. J'ai loupé mon saut, mais j'ai réussi le contre quand même. Hein. C'est assez cocasse. Block Pow. C'est du Powwall. Ouais, pareil, ils sont chiants. La commande est encore nécessaire. Pas spécialement. Ouais, eux ils sont casse-couilles. Donc pareil. Blockpo, salut. Mort. Mais non, mais arrête de donner des coups de marteau, espèce de con, faut sauter dessus. C'est vrai qu'on peut pas aller taper les gens derrière. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Oh, c'est un... Attends, ah non, c'est sur moi qui veut le lancer, lui. Elle me l'a donné. Merci. Peut-être un couvert pour le one shot. Non, c'est pas la peine. Il va attaquer qui, Gomili? Oh, le counter dans ta gueule! Ta-da-ta-ta-da-ta-ta-ta. Ok, on a encore gagné Punto. Hmm? Un bon repos. Ah oui, c'est pour l'auberge gratuite. Fleur de fire. Hop. Imagine les préco le jeu à la FNAC et il t'envoie que le bonus de préco nul est pas le jeu. Mais non. Quoi? What the fuck? C'est vraiment ce qui s'est passé? Non, 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 pas le champi. Ok, ouf. Oui, parce que vous savez, là, ce qui vient de se passer, en gros, quand t'as deux fois le même truc, ça relance le troisième, et si jamais ça fait trois fois la même chose, ça te fait des bonus. Soit si c'est les fleurs, ça te met full PF, si c'est la vie, ça te met full vie, si c'est le soleil, ça te met tout à fond, et si c'est les champis, je crois que ça te baise. Cinq pièces pour restaurer? Bon, non, je suis full. Recevoir 10 feuilles A4 avec Mario en gros, et c'est tout, je dois faire mon Mario de papier toute seule. Bah tu fais le jeu toute seule, tu te débrouilles. Je dois recréer le jeu avec du papier.
Mais mon premier visiteur depuis bien longtemps. Je suppose que ce sont la clé soleil et la clé lune qui t'amènent. Tu vas devoir les mériter. Tu me bats, je te laisserai aller les chercher. Mais si tu perds, prépare-toi à passer un très mauvais quart d'heure. Mouah ! Alors qu'en es-tu ? Ah ah ! J'espère plus t'enfuir. Eh oui, ce n'est pas un vrai combat. Bonsoir, bonsoir à tous. Voici votre jeu préféré, le Super Stress Quiz. Réponds correctement à 5 questions, donne 3 mauvaises réponses et je te le ferai regretter. Première question, que peux-tu trouver caché dans la forêt, dans le fort baroque ? La clé soleil et la clé lune. La clé soleil et la clé lune, tu es bien sûr ? Oui. Bravo ! C'est une bonne réponse. C'est vraiment facile, mais attention, ça va se corser. On continue de suite. Deuxième question. Combien coûte un champignon plus une fleur de feu à carafleur ? Champignon ? Alors champignon c'est 5, fleur de feu c'est... Pas 5 aussi ? 10 pièces. 10 pièces, tu es sûr ? Oh non, c'est plus cher la fleur ! Mauvaise réponse, Ignard. Mauvaise réponse, tu vas voir ce que tu vas voir. Putain, c'est 7, la fleur de feu ? Chier, j'aurais dû m'en douter. C'est le nom du patriarche de Carafleur. Oh putain. Je sais plus, c'est Coupin ou Couper ? C'est Couper ? Couper ? Oui ! Une bonne réponse, c'est vraiment facile, c'est à se corser. Voici la quatrième question. C'est parti, où se trouve la gemme étoile ? Au château de Carbaranorcroc. Es-tu sûr ? Bonne réponse ! Bravo ! On continue tout de suite, cinquième question. Où peut-on aller de Port-la-Canée à pleine dragobée ? En jet privé, par un tuyau. Par un tuyau, oui ? Oui. 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 Déjà 4 bonnes réponses. Attention, remportant, on va passer à des difficultés supérieures. Deuxième question. Quel personnage peut-on trouver à Carafleur ? Je pense que c'est des fusils. Ou pas, tu es sûr ? Oui. Oui. C'est une bonne réponse. Tu as donné 5 bonnes réponses. Tu as gagné, Morveux. Let's go. Il fallait faire un sans faute. J'avais juste oublié que ça coûtait 7, la fleur de feu. Par les chaussettes du dragon. Tu m'as battu, Morveux. C'est bon, tu peux passer. Bravo. Moi ce que j'aime dans le jeu c'est ce côté décalé tu vois, là on aurait pu se dire il va y avoir un combat normal, la base, et en fait non c'est un quiz. Dans une grotte. Oh nouveau badge. Oh c'est broken, on a déjà le multibon là. Multibon. Vous permet de faire un multibon pour 2 PF. Ouais multibon c'est fort. Ah non multibon c'est pour sauter sur plusieurs, c'est pas le super rebond où tu peux rebondir à l'infini. Pas encore. Du coup là c'est pas mal parce que il y a beaucoup d'ennemis donc en vrai ça vaut le coup. Même si ça fait que très peu de dégâts. Alors je crois que oui ils sont chiants, ils font 1, 2, 3, 1, 2, 3 maintenant. Putain le timing est chaud. C'est 1, 2, 3, tu paries. Ah, le timing des fusils, il est horrible.
Silly. Mais vu que ça met un dégât à chacun, ça vaut peut-être pas le coup de faire le multibon en réalité. Peut-être que juste je casse la gueule à lui là. Attendez, je vais essayer de faire le counter. Attends, un. Attends. Non! C'est vrai qu'il se heal en plus. L'enfoiré. La clé lune. Waouh, ils sont beaucoup là. Multibon 2 PF. Ok, ils ont tous pris cher. Ouais, là je pense que je vais juste les bloquer normalement. Ah putain, le timing est dur. Ok, bloqué. Bloqué. Comme ça il se heal pas. Putain, multibon, j'ai plus assez de... de Puntos. Est-ce qu'il est pas temps de... est-ce qu'il serait pas temps de faire un top form? Ah mais Gomeli peut pas l'utiliser, le top form. Chier. Bon bah tant pis, on va casser des gueules hein. Est-ce que je suis fou et je tente le contre? Oh, presque. Attends. Oui! Je pense que je vais bloquer et faire top form derrière. Top form, c'est parti. Pas mal. On s'est tout remis. Clemgore, merci pour le 9e mois. Merci beaucoup Clemgore. 89. Hop. Onu clap, onu clap, onu clap. Le champignon. Bon, c'est pas un énorme donjon, ça va. Par contre, il y aura un plus gros donjon après, ça va être le château de Carbonara Croc. Le château de Carbonara Croc, il est plutôt long. En vrai, les chapitres dans ce jeu sont plutôt longs. Hein. Oh non, j'ai loupé. Bon, c'est pas grave, on va préparer un... Oh! Oh non, il a le truc vampirisme là. Ça, c'est chiant, ça. Ok, faut l'éliminer vite. Voilà. Là, je pense que juste on le bloque normal. Bloqué. Et oui, parce que dans le jeu, les ennemis peuvent utiliser les items. Et ça, c'est très très chiant. Ça peut vraiment te mettre dans la sauce. Oh, mais il me baise.
Oh là, ils sont nombreux. En vrai, je vais go one shot 1 déjà. Le gameplay des combats a l'air tellement mieux que Origami, mais 100%, mais c'est... En fait, le système de combat de ce jeu est exceptionnel. Oh, j'ai loupé mon compteur. Mais oh! Non mais mon timing, il est nul à chier. Je tente le contre, tu es un fou. Non! Genre tout, c'est le début du jeu. Ouais. En gros, là, on va pas trop tarder à... Enfin, on va récupérer les clés étoiles et lunes pour pouvoir entrer dans le château de Karbaranakrok. Et level up! J'ai envie de prendre les PF, là. Parce que j'ai envie de spammer mes compétences fortes. Vu que, de toute façon, j'ai pas encore beaucoup de badges. La clé soleil et la boum, un méchant sur ma gueule, la base. Il y en a beaucoup. Ouais, en fait, ça sert à rien de leur... Ah si, ouais, j'ai envie d'en finir. Ils m'ont cassé les couilles. Moi, je vous le dis. Allez, so long. Il se heal et tout, c'est un enfer. Hop, voilà, ça c'est fait. En plus, il me redonne une fleur de feu. Ouais, les petits effets de lumière, il n'y avait pas ça avant. Ça a été... Ça, c'est nouveau. Le jeu était vraiment pas aussi beau. Et surtout, il était en 4 tiers, le jeu, à l'époque. Oh, oh. Nion, nion, nion. Attends, il parle. Et toi là-bas, t'as pas honte d'entrer comme ça chez nous, là? Oh, je vais t'as vraiment un nion. Bon, je vous le dis, il est 100% dead, hein. Coup fort. Nya nya nya, ouais, quand même, nya 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 nya, attends, tu vas voir mieux, tous avec moi, nya nya nya. Ah oui, c'est vrai, il ramène ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce boss fight là. Attends. Fleur de feu. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'ils sont que deux techniquement. Non, c'est vrai. Bon, je vais quand même taper que le fusil doré. Et je pourrais pas lui faire des coups forts. Ah, c'est chiant, ça. Ouais. Oh, mais elle m'a pas prévenu. Mort. Je sais pas combien il a de vie, mais c'est un peu relou. Hop, hop. Oh, il est mort. Mort, mort, mort. Bon, ça va, il était pas très tanky. Ok. Sauvegarder. Et là, le défaut du jeu, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des défauts dans le jeu. Mais dans les défauts, c'est de devoir faire demi-tour. Chaque fois.
Comment t'as reçu un mail, Mario? Pardon. Ah, c'est nouveau les mails. Il y avait les mails avant? Je me rappelais pas de ça. Récepteur de mails, les mails. Ça va, Mario? C'est moi, Gwenstein. Tu recevras certainement des mails comme celui-ci. C'est nouveau ça. Ah, ça existait déjà les mails? Ok. Je me rappelais pas. Je les lisais peut-être jamais. C'est sûrement ça. Voilà, donc là on voulait juste le retourner. Comme une crêpe. Toi des petits selfies. Et oui. Oh le bâtard. Hop là. Moi je te retourne. Oh tu veux me lancer une carapace sur la gueule là? On est où? Il voulait lancer sa carapace le gars là. Il se met à poil. Alors lui, il va bien falloir le gérer le contre. Hop là. Bonjour Linéa. C'est un objet. Ah la carapace, c'est un objet. Ah je crois que c'est un objet qui donne une protection de fou. C'est pas ça? Non. Ça te renforce pas ta défense? Je sais plus. Mario saute. Ouais, je vous invite, si vous jouez au jeu, à faire comme moi, c'est-à-dire à être extrêmement fort. Pardon. À être... à prendre tous les combats. En fait, quand vous jouez à ce jeu-là, dès que vous voyez un combat, ne l'esquivez pas. Des fois, vous aurez la flemme, mais je vous assure que pour votre bien, si vous connaissez pas le jeu et comment ça se passe après, prenez tous les combats. Faites tous les combats. Tous les combats que vous voyez sur le chemin, faites-les. Même ceux qui peuvent paraître inutiles, faites-le. Faites-les, vraiment. C'est... L'XP, c'est trop broken et vous allez être bloqué dans le jeu après. Si vous faites pas ça, vous allez devoir revenir en arrière et c'est ça, c'est chiant pour le coup. Hop, hop. Il y a quel truc de RPG? Oui, vraiment. Allez, c'est pour faire une attaque, mais il sera mort avant. Bravo. Mort. Mort, mort, mort. Quoi? Pardon. J'ai loupé. En vrai, le vrai défaut, c'est le deuxième chapitre. Vous trouvez le deuxième chapitre horrible? C'est vrai que c'est pas le plus fun, mais c'est pas horrible non plus. Bon, c'est pas mon préféré, je suis d'accord. Je pense que c'est le chapitre que les gens aiment le moins, globalement, le chapitre 2. Mais après, le 3 est trop bien, le 4 est... trop bien, le 5 est... En fait, ils sont tous trop bien, à part le 2, j'avoue, mais bon, après, là, c'est... Ah, peut-être celui où il faut se balader partout à la neige aussi, c'est peut-être pas le meilleur non plus, mais bon.
Mais non, mais je crois que le chapitre où il y a la neige, c'est le chapitre 7. Donc après, tu vas dans l'espace. Non, il est trop bien, en fait. J'aurais dû tuer le Goomba. Mais j'ai envie de flex, j'ai envie de m'entraîner sur les contres. Hop là. On récupère le pire compagnon. Oh, ça va. C'est vrai qu'on va pas trop l'utiliser par la suite du jeu, mais... Oh merde. J'ai loupé mon initiative. Hop. Mais je pense que moi, mon chapitre préféré, c'est le chapitre du train. Quoique, après, non, dans le train, il y a un passage qui est chiant quand même. Mais le train est vraiment stylé. C'est très original, je trouve. Le tournoi est sympa aussi. Ouais, en vrai. Qu'est-ce qui est vraiment nul? Genre, c'est un portage ou un vrai remake? C'est un vrai remake! Avec des différences. Effectivement, il y a quelques différences, oui, tout à fait. Tu vois, ce personnage-là n'existait pas, par exemple. Journal, qu'est-ce qu'on m'indique? Ah, pardon, récepteur de mail. Pardon. Inscription à la LIP. Une information de Pan la canaille. Ok. Des changements dans le gameplay aussi. Non, le gameplay reste le même, je crois, hein, quand même. Mais on a plus ce côté papier qu'avant. En fait, je trouve que Paper Mario faisait papier, mais pas autant papier que maintenant. Là, ils ont vraiment trop géré le côté papier. Hé, hey Mario, je suis venu t'attendre ici qu'il fallait absolument que je te parle. Eh bien, en fait, mec, enfin, voilà. Amène-moi avec toi à combattre Karbarkrok. Mario, je t'en compris. Je t'en supplie, pardon. En fait, mon père est parti autrefois affronter Karbarkrok, il est jamais revenu. Pas vraiment pour venger mon père, mais... Enfin si, un peu quand même, mais... Bon, j'aimerais surtout réaliser son vœu d'éliminer Carbonor à Croc pour le bien de tous. À tout le monde, je me traite toujours comme un poltron. Je deviendrai peut-être aussi fort que mon père si je terrasse Carbocroc. Je sais que c'est dangereux, mais je vais aller avec toi. Je t'en prie, Mario, accepte. Non. En vrai, merci beaucoup, je mettrai tout mon cœur. En vrai, il est pas dégueu, Coupec. Il a une attaque de zone qui fait mal. Il tape les pics et tout, non, c'est pas si mal. Puis plus tard, il aura la carapace qui permet de nous rendre très très défensifs, très tanky. Pardon. Le pauvre, non mais vous allez voir, plot twist... Plot twist, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Le pauvre... Et ok quoi, franchement c'est raisonnable. Oh, Ninion! Merci beaucoup pour le raid! Merci beaucoup, Ninion. Ça faisait quoi? Ça faisait du Edge Off, non? Oh là là, j'ai très envie de reprendre Edge Off en vrai en plus. Hein. Alors, moi, je préfère le 2, mais c'est vrai que le 4 est pas mal. C'est vrai que le 4 est quand même sympathique. Faudrait que je me mette un peu plus de temps sur le 4. Et pour ceux qui, du coup, arrivent, on est sur. Je me suis fait lessiver. Ah merde! Ah, c'est dur, hein. Les RTS, c'est dur. Très très compliqué. Y'a de la renquête sur le 4? C'est vrai que je vois. Peut-être que j'en ferai un peu. Pourquoi pas. Ça a l'air bien. En plus, il y a un peu de compétition maintenant que Gentlemates ont leur joueur Marine Lord. Pourquoi pas? Ça peut me donner envie. J'essaierai. Or 3! Ouais, bien. Alors, je me rends pas compte à quel point c'est bien, mais je pense que c'est pas mal. Or, dans les jeux, ça veut dire que t'es déjà bien meilleur que la moyenne. Souvent, c'est ça, quand t'es gold. Donc, or 3, ok. Bravo.
Donc pour ceux qui arrivent, nous sommes sur Paper Mario, la porte du millénaire, le remake du jeu incroyable qui est sorti en 2012, si je dis pas de bêtises. Bon, le remake, lui, il est pas sorti en 2012, hein, il est sorti littéralement hier. C'est un de mes jeux préférés. Si vous connaissez pas, écoutez, regardez, peut-être que ça vous intéressera. Et sinon, bonne journée à vous, évidemment, des bisous. Et à bientôt. Parfaitement, oui, c'est bon, j'ai compris comment on joue le perso. Donc là, on est au début du jeu encore. On est vraiment... 2004 ? Pourquoi j'ai dit 2012 ? J'ai plus, j'avais eu 2012 quelque part. C'est 2004 ? Non, c'est si vieux que ça. Et oui, en plus, mais oui. Non, mais 2012, c'était quoi ? Non, c'était pas genre un autre Paper Mario ? Mais oui, en plus, mais attends, mais j'aurais pas pu jouer 2012. Attends, mais j'étais giga jeune quand tu y es joué. 20 ans. Waouh. Wow. 20 ans, ça y est. Il y a 20 ans. Hein, tu, Coupline, tu as tout entendu? Coupec, tu as vraiment l'intention d'aller battre Carbonara Croc? Sans mentir, mais tu es un peu lourdeau, ce sera trop difficile. Je sais, Coupline, mais toi et moi, je, ben, pour toi et pour moi, je veux devenir adulte, c'est pourquoi. Mais c'est inutile, ne tente pas l'impossible, n'y va pas. Peu importe que tu sois un poltron ou une mauviette, si tu restes aussi mignon, la seule chose qui compte, c'est que tu sois toi-même, alors ne pars pas. Ne m'en veux pas, ma décision est prise. J'inquiète pas, Coupline. Mario sera avec moi et... Imbécile! Idiot! Pardon, Coupline. Je reviendrai. Je serai devenu plus fort. En route, Mario. Le château de Carbocroc nous attend. Oh yeah! La pauvre... Et bah, spoiler, il va mourir. Merde, j'ai loupé le coup. J'ai loupé le Goomba. Ok, la technique. Je vais sauter sur lui. Putain, mais j'ai loupé. Non, en fait, c'est fait exprès, regardez. Donc, je l'ai fait descendre pour vous montrer l'aptitude de Total Carapace. Donc là, je l'ai... Voilà, je l'ai pas tué. Comme ça, il va tuer 3 personnes en même temps. Regardez ça. Hop, terminé, salut. Bravo. C'était plus sympa d'en tuer 3 d'un coup, plutôt que 2. Mort, mort, mort. Attends, mais si tu veux, elle est énorme. Je crois qu'il y a un moyen de le faire descendre. Mais arrête. J'ai loupé. Ah, mais c'est vrai que je peux lui balancer Coupec directement dessus. Je l'ai pas fait, mais on peut. Oh! L'ennemi qui vous touche prendra un coup de jus. Aïe 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 aïe. Attends, mais non, mais du coup c'est chiant. Parce que si je saute dessus, je prends un dégât de dégâts. Oh non! Je vais prendre un dégât de choc électrique. Est-ce que la carapace est immunisée contre l'électricité? Pas sûr. On va tester quand même. Non, ça va. Ok, c'est vraiment si je saute dessus, je pense. Balabalabam. Est-ce que t'avais fait la saga des Mario Luigi sur GBA DS? Pas du tout, mais on m'a dit que du bien de ces jeux. On m'a dit que c'était vraiment exceptionnel. Donc peut-être un jour, je les ferai. Même si, bon, bah le studio a fermé. Le studio qui a fait les Mario Luigi a complètement... complètement fermé, ouais, voilà. Hein. Ah, mais oui. Hop, attrapons ça, bro. Cœur joyeux donne à Mario une chance de récupérer petit à petit des points de cœur à chaque tour pendant le combat. Bah, c'est parfait. On veut ça. Et on a bien fait d'améliorer les PB. Regardez, on a déjà plus que 1 PB disponible. Donc on a multibond qui permet de sauter sur plein d'ennemis, chaud devant qui fait que quand on a moins de PV, on esquivera les attaques, coup fort pour faire très mal et cœur joyeux pour récupérer des PC. C'est magnifique. Regardez, je vais envoyer Coupec. Bam. Oh, ça fait 2 dégâts d'un coup.
P obtenu. 82. Pour bientôt level up. Non. Ah. Pardon. Ah, il est sorti de sa cachette. Marteau. Schlack. Oh là là, bientôt le level up. Pa-da-pa-pa-da-pap. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Merci, merci Jawarma, merci pour le 28e mois, merci beaucoup. J'examine, je mets ma clé soleil. Bonjour à Nantag Peach. Je mets la clé lune. Et là, une énigme impossible, mesdames et messieurs. Je pense que les enfants de 10 ans qui sont tombés sur cette énigme n'ont pas réussi à avancer. Mais en gros, l'idée, c'est que si je tape ça, eh bien, j'ai très peu de temps pour taper l'autre. Et on doit taper les deux en même temps. Et là, vous allez me dire, mais c'est impossible. Softlock, le jeu est impossible, c'est terminé. Ou alors, on fait genre ça. On maintient la carapace. Et après, on tape. OMG. 100% quand vous étiez petit, vous êtes allé sur jeuxvideo.com pour trouver la solution. Cette énigme impossible. En vrai, non mais blague à part, je pense que c'est pas le truc le plus simple et le plus intuitif. Y'a pas moyen d'aller de l'autre côté là? Y'a pas un truc caché? Y'a rien du tout? Dommage. À devoir penser à ce moment. Non mais lui aussi a déjà fait le jeu, il a déjà fait deux fois, donc il sera pas bloqué non plus. Le château de Carbonara Croc. Je peux restaurer mes PV, pourquoi faire 6 balles? Ça coûte... Pardon. Ça coûte 6 balles. Ça coûte 6 balles. Et puis, j'ai plutôt bien géré mes PV. Et mes PF, donc je vais pas dépenser mes 6 gold là. Ouah, je me fais dessus, ça fait bader. Allez, demi-tour, on arrête le jeu, ça fait trop peur. Ah, j'ai cru que j'allais réussir à aller en haut. Tant pis pour le daron, j'avoue. Il y en a qui vont se relever, c'est sûr. Oh la musique. Attends. Alors, dans mes souvenirs, il me semble qu'il n'y avait pas de musique de combat modifiée pour les donjons. C'est toujours la même tout le temps. Sauf pour les combats de boss ou mini-boss. Mais là, du coup, ils ont fait un remix en fonction du chapitre, j'ai l'impression. Ok. On va faire un total carapace. Ah, j'aurais dû tous les mettre au sol. Oh, le contre! Oh, ce que je lui ai mis. Encore? Ah, j'ai loupé. Oh, fais chier. J'aurais dû faire un multibond direct, en fait. Je suis trop bête. Multibond, j'aurais pu tous les retourner. J'ai loupé. C'est vraiment trop nul. Je suis en train de tout gaspiller. Je suis en train de troller en ranked. Le counter? Je tente le contre. Oh, trop tard, trop tôt. Bon, j'ai trollé ce combat, je suis désolé. Excusez-moi, j'ai été nul, j'ai été gaze. Oh, j'ai loupé ça aussi.
Oh, j'étais giga gaze. Oui, dans le remake, chaque zone du chapitre a sa musique comme Origami King. C'est pour ça que j'avais dit que t'allais sûrement préférer le remake au niveau des musiques. Ah, après, il y a quand même... J'allais dire, il y avait quand même une vraie identité. Une vraie identité aux musiques du jeu de base. Mais je suis pas contre. Les musiques de base sont dispo. Ah ouais? Mais non. Hop. Et puis c'est bien, ça permet de rendre un peu moins redondant. Hâte d'entendre du coup les musiques de toutes les zones. Quelle est ta impression sur le remake? Bah ils ont taffé quand même hein. J'ai envie de vous dire qu'ils ont quand même taffé. Et ça fait plaisir. C'est pas juste un simple portage. Il y a eu du travail. Travail sur les musiques, travail sur la DA, travail sur les graphismes, travail sur apparemment... De l'équilibrage. Oh! Et bah GG, c'est bon, on a gagné le jeu. Super rebond. On a gagné le jeu, mesdames et messieurs. Comment ça, il manque? Je vais enlever chaud devant. Il faut absolument que je reprenne des PB. Mais GG, GG à tous, on a super rebond. Vous voulez voir ce que c'est ou pas l'objet? Regardez ça. 3 PF! Bah j'ai pas de PF. FF. Si. Je sais comment on peut avoir des PF. Top form. Je préfère un nouveau Paper Mario plutôt qu'un remake? Non, j'avoue que les nouveaux Paper Mario sont pas ouf. Moi je suis bien content d'avoir ce remake. En fait, les nouveaux Paper Mario sont pas aussi bien que celui-là. Bon là, c'est lui le meilleur et de loin. On a bien joué là. Ouais. Ouais, pas total carapace pour l'instant. Hop. Est-ce qu'on tente les contres ou est-ce qu'on fait juste bloquer normalement? Moi je pense que le... Putain, le contre a loupé. Oh, le contre est trop dur. Bon. Il est temps de faire le super rebond. Ah, j'ai loupé. Ah mais c'est perturbant parce qu'il était en l'air. Bon, au moins on va pouvoir faire l'attaque au sol. Et là, je réussis le contre. Oh! Oh oui. Oui. Non! Yes! Le contre est passé. Ciao. Bon, il nous faut des... Est-ce qu'on prend des PB supplémentaires? Je pense, hein. Mais oui, on perd le côté RPG dans les nouveaux Paper Mario. On a vachement perdu le côté RPG. Et le côté RPG, je le trouve trop important. Allez, les PB. PB! C'est un PB, messieurs, dames! Let's go. Donc maintenant qu'on a des points badges supplémentaires, on va pouvoir rajouter des badges. On va pouvoir remettre les badges qu'on a perdus. Oh! Il va faire une blague, il va dire que c'est son père. Ses os, je suis presque sûr qu'ils sont... Que ce sont ceux de mon père, ou chez certains. Oh bah. Ah mais... Ah bah on dirait qu'il y a une sorte de lettre, sous les os. Ah qu'est-ce qu'on... On lit ou on lit pas? On lit. D'accord, allons-y. Alors,
Je suis venu ici pour terrasser Carbarocroc, mais je n'ai pas pu aller plus loin. Je tiens toutefois à informer mes prochains d'un point faible du dragon. Carbarocroc redoute en effet des êtres au nom qui débutent en gr et finit en houille. Les grouilles? Qu'est-ce que les grouilles? Un objet permettant de viger ce point faible est caché dans le château. J'apprends que cet objet est indispensable pour espérer vaincre Carbarocroc. Pour d'ailleurs, la méchante Carbonara Croc a parfois recours à la ruse. Je n'ai plus la force de poursuivre ma lettre, mes yeux se ferment. Et je vous en prie, dites à mon fils Colorado que son père l'aime. Quoi? J'en fiche Colorado, mais moi je m'appelle Coupec. Bah, c'est pas lui alors. Mais si ce squelette n'était pas le chien, bah j'en ai peut-être un autre. J'ai pas lié. Oula. Pour lui, il est rose, ça ne dit rien qui vaille. En plus, il est devant la porte, comme par hasard. Oh! Il s'aventure dans le château ne mesure pas le prix de sa vie. Vous n'irez pas plus loin, votre squelette restera dans ses murs. Mini boss. J'ai pas de peau. Ah ouais, une fleur de feu là. Ok, je sais ce que je vais faire. J'ai ma strat. C'est Mario qui va faire la fleur de feu. Ah non, en vrai non, c'est... Bah non, en fait, je pensais pas que ça les one-shotterait. Ok, bah ils sont vraiment gaze en fait. Alors je crois que lui balance ses os, non? Ah non, il fait spawn! Oh l'enfer. Ok, bon, il est temps de lui montrer du coup. Super rebond! 1. Ah, merde. Oh le malaise. Oh, il a tellement d'armure. Ok, bah du coup... FF. Oupsi. Je crois qu'il va falloir faire des coups forts. Merde. Bravo. Ouais, j'avais oublié qu'il avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armure. Alors comment je vais derrière déjà? Je crois qu'il y a... Ah ben voilà, c'est quand on aura la transfo papier. Mais là j'ai pas encore la transfo. On bien fait les reflets dans le sol et tout, non, le jeu est très joli. Ils ont très très bien géré cette partie là. Ah non. Ils ont que 1 PV. Ok bah du coup... dans ce cas là... Non. Ça c'est quoi déjà? Ah c'est... Ah oui c'est vrai qu'on gagne des soleils. Les soleils ça permet de renforcer les compétences. Il me semble. Y'a un bail comme ça. Stylé. Mort. Et mort. Salut Sagamore. C'est pour level up les mates. Comment ça les mates? Ah c'est... Oui pardon, c'est pour faire monter de niveau tes collègues. Oui je crois que c'est ça en fait, pardon, excusez-moi. Mais je sais que ça sert à monter des... quelque chose. Alors... Vous les voyez les blocs gris là, bloc très très foncé, pour l'instant j'ai pas ce qu'il faut.
contre, ça, je peux déjà le casser, je pense. Ouais. Hop. Merci pour la clé, bro. Thank you. Ah, il me faut retourner ça à nouveau. Que d'énigmes. Clé du château. Sauvegardons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite sauvegarde, ça fait plaisir. Alors, voilà, il y a une porte à droite. Il y a une porte à droite. Donc l'idée, c'est que je les fasse tomber tous les deux. Avec un multibon. Et là, je vais les taper. Est-ce que je tente les contres? Je tente les contres. Je suis un fou. J'ai loupé. Putain, mais le timing est impossible. Le timing est impossible. Mais je vais quand même le retenter parce que je suis un fou. Putain, mais c'est trop dur. Hop. C'est toujours frame perfect. En fait, le bloquer, c'est... T'as genre 5 frames, je dirais. Par contre, le frame perfect, c'est pour le contre. Ta 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 ta. Et ça, ils l'ont pas simplifié. Mort. Alors le problème, c'est que les deux, ils volent là. Et je pense que ça va partir sur un top form. Surtout qu'on est pas très en forme. Donc on va essayer de se régaler. Ok, pas si mal. Pas si mal, pas si mal. Ça aurait pu être mieux, mais... ça reste correct. Bah y a pas grand chose à faire là, donc je pense que là on va partir sur défense. Bon, je bloque hein, parce que je connais pas le timing du contre. Oula. Quoi? Oh non, il a donné full armure, je vais péter mon crâne. Bah défense. Bon, comme ça on régène hein. Je peux lui sauter dessus mais je vais pas lui faire grand chose je pense. Voilà. Défense. Je vais tenter le contre pour le tuer maintenant. Oh let's go. Là il l'a plus, c'est bon. T'as le Goomba intuable. À mon avis. C'est que ça. Un nouveau coffre. Oh, Il
faisait bien longtemps que personne n'était venu jusqu'ici. Tiens. Mais si tu entends ma voix, tu vas être le héros légendaire. Tu parles. En fait, je crois que n'importe qui peut m'entendre. Je vous ai bien eu. Mais dites-vous, vous ne voudriez pas m'aider à sortir de ce coffre? Ça fait rudement longtemps que je suis là-dedans, et c'est vraiment pas drôle. C'est juste à trouver la clé et à me mettre dans la serrure. Vous savez, là, la clé noire. Maléfice, vous m'ouvrez. Moi, faire ça? Moi? Non. C'est horrible de faire ça. Mais avec moi, vous ne risquez rien. Bien sûr que non. Si vous m'aidez à sortir de là, je crois que je pourrais même vous rendre un service. Un prêté pour un rendu, comme on dit, c'est la moindre des choses. Alors, si vous êtes d'accord, venez m'ouvrir après avoir trouvé cette clé. Voilà, celle indiquée à droite. Ça me paraît totalement honnête, encore une fois. Je pense que lui, il fera pas pareil que l'autre. Tiens, c'est bizarre, cette salle, il y a des trucs qui ressemblent à des motifs de pique. Je me demande bien... Il pourrait mal se passer. Ben voilà, c'était simple, il n'y a plus qu'à repartir. Mario, regarde Oh, on dirait une vidéo de Mr Beast. 24 heures pour s'échapper de la salle où il mourra écrasé par des pics. Un encoupé qui est bloqué, tant pis pour lui hein. Elle a changé la musique, c'était pas cette musique là avant. Écoutons la musique un peu. Très dramatique tout ça en réalité, on allarge le temps. Ou alors c'est bien pour l'instant, jeu exceptionnel. Ah, vous avez apporté la clé, chouette. Ah mais si, je vous ai bien niqué encore une fois. Vous êtes vraiment trop con. Imbécile, quel bruyant causeur je fais! Je suis tellement un grand orateur! Je vous ai bien eu! Cet endroit est un piège et vous n'en sortirez jamais! Vous mourrez ici! Quel est votre destin? Et par-dessus le marché, je m'en vais vous jeter un redoutable maléfice! Préparez-vous! Bon. Oh, te voilà ensorcelé, tu n'as pas volé! Le maléfice est encore plus terrible que celui dont je t'ai jeté avant! Je te préviens! Quand tu maintiens ZR, ton corps s'aplatira complètement! Ouah, terrible, eh? Montre un peu comme tu es ridicule. Maintiens ZR quelques instants. Ouah, le nulos! Ouah, alors ridicule, c'est ridicule, pas vrai? Et quand tu maintiens ZR, tu es tout aplati. Refais-le, refais-le! Allez, salut, abruti! Ouah! Ok. Oh! Bon, on peut rien faire avec lui. Franchement, il m'a bien eu là. Il m'a bien baisé encore une fois. Alors, badge, ça coûte combien? Ça coûte 0? Ça coûte 0, quel plaisir. On savait que quand on tape, on fait un bruit de grenouille. Et qui nous permettra du coup de battre Carbonara Croc. Mario. Waouh. Ou-i-ou-a-a. Ah oui, c'est chiant ça. Je veux le badge.
Il faut ramener le bloc là et je crois qu'on peut pas pour l'instant. On a été là un peu tôt. Pour retourner, il faut backtracker. Beaucoup de backtrack dans le jeu. Beaucoup de moments où on doit retourner en arrière, mais bon, c'est comme ça. On va récupérer la clé. Bravo. Oh non, Coupec. Oh, oh. Tu es triste? Merci Julius, merci pour le troisième mois de Prime. Coucou Julius. Quelle est la réponse au titre? Pour l'instant, je pense que le remake vaut totalement le coup. Bon, c'est vrai que c'est cher 60€ pour un jeu qui est sorti en 2004. Mais les musiques sont très bien. Les graphismes sont très bien. Est-ce que je me heal? Attendez, est-ce que j'ai besoin de huile? Ouais, j'ai pas besoin. Maintenant, à voir toutes les nouveautés. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est très très bien fait ou pas? Est-ce que vous voulez une technique secrète? C'est pour vous, hein. Mais non, mais c'est pas du tout secret, c'est le truc de base, en fait. Ok. My bad, je croyais qu'il y avait vraiment un truc intéressant. J'ai cru que j'avais d'être ça. Hop là. Un combat pour les bébous. Un jeu pour les bébous globalement. Sans pipi. Il est vivant lui? Il est mort. Ah oui c'est vrai, ça marche comme ça. Tac, on attend. Salutations. Dommage. Hop, hop. Pa-pa-pa-pa-la-pa-pa-la-pa. 1, 2, il est au sol. Du coup, on va pouvoir le tabasser. Morale de l'histoire, tabasser les gens quand ils sont au sol. Dans le jeu. J'ai pas la clé. Non, j'ai pas la clef. Toi, t'es vivant ou t'es mort? Vivant. Hop là, trop stylé. Trop de style Mario. Est-ce que j'augmenterai mes PV un jour? Je sais pas. Peut-être pas. C'est pas sûr. Est-ce que ça sert d'avoir plus de 10 PV finalement? Oh! Tiens, quelle surprise de tomber sur âme qui vivent en pareil endroit. Qui es-tu? Moi, je suis Carmina, gentille souris cambrioleuse et voyageuse. J'avais entendu dire qu'un badge rarissime était caché dans ce château. Mais dites-moi plutôt ce que vous faites dans cet endroit lugubre. Nous sommes venus affronter le carré Barakroc et trouver la gemme étoile. Et je vous jure qu'on ne te le laissera pas.
La gemme étoile se dit, mais j'en ai rien à battre. Hein? Ne vous inquiétez pas, j'étais le premier à chercher cette gemme étoile. Moi j'ai trouvé le badge que je voulais, et je vous laisse la bise. Est-ce qu'il y a des quêtes annexes ou de la difficulté? Oui, il y a des quêtes, il y a des donjons très compliqués et tout. Plus tard, il y a du contenu late game. Pour ceux qui aiment les défis. Mais déjà, le jeu de base est dur. Mais il y a des vrais défis. Oh, quelle audace! Elle a eu 20 sur 20 au bac de philosophie. Ah, en fait, je vais vous donner une information importante. On dit qu'un badge utile pour terrasser le dragon est caché dans le château. Et j'ignore de quel badge il s'agit, mais vous l'avez peut-être déjà trouvé. Allez, je vous conseille vivement de mettre un badge avant d'aller affronter Carboran Arcroc. Bisous. Quel rôle de personnage, mais quel aplomb. Alors, fun fact, on pourra débloquer ce personnage. Mais ça demande justement des quêtes annexes pour débloquer ce perso dans ta team. Voilà. Sirop de miel. Ah bah j'avoue que là ça me ferait du bien pour ma voix. La clé du château jaune. Le champignon. Mais oui, on pourra le débloquer plus tard. Je crois qu'il y a des trucs à faire. Il y a une mission spéciale. Après tu dois la retrouver sur un toit dans la ville. Enfin bref. Et après t'obtiens un badge de fou aussi. Oh. Mort. 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 Alors lui, on va le retourner. Hop. Il va me lancer un os à la gueule. On va essayer juste de le bloquer normal, je pense. Ouais, je l'ai fait tellement en avance, mais ça a marché. Hop là, les méchants sont morts. Sirop de miel. T'es vivant ou t'es mort? Ah! Oh non. Oh, il m'a bien eu. Regardez, je vais faire un multibond pour les retourner. Hop, hop, et hop. Et maintenant, Total Carapace! Non, sélectionne s'il te plaît, Total Carapace! Et voilà, no hit. Ah si, no, je me suis pris à hit au début parce qu'il avait l'initiative. Mon mauvais. Sirop de miel. Oh mais ils sont tous vivants. Il y en a beaucoup. Je pense qu'on va faire pareil. Ah non, j'ai plus de PF. Aïe, 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 aïe. Bah comme j'ai plus de PF, Bon, petite fleur de feu, hein, la flemme. Allez, so long. Ah mais ils tankent plus que je le pensais, en fait. Enfin, ils ont tellement de PV. C'est le moment de faire le contre et de le tuer maintenant. Vous êtes prêts? Merde, il s'est heal. Ah mais du coup, il attaque pas s'il se heal. Et bah très bien. Hop, moi aussi j'ai mon petit tranquillou grâce à mon badge. Est-ce que je ferais pas un top form là pour gagner un peu de PF? Moi je pense que si. Ok, on sait qu'il y a toujours deux champis verts qui passent. Et du coup comme les deux sont passés là je peux spammer. Vu qu'il y aura plus de champis verts pour me bloquer, donc c'est nickel, c'est génial. Voilà.
Bon. Ouais. Eh bien, on va continuer. On va continuer tranquillou. Oh, c'est quoi ça? Poudre retour. Retourne temporairement à l'ennemi la moitié des dégâts reçus au combat. Ouais. Faut vraiment être trop intelligent pour les énigmes de ce château. Malheureusement, j'ai été trop con. Pardon. Je refais. Oh non. Y a pas un truc à droite? Alors je sais qu'il y a un morceau d'étoile là-bas. Ok. Merci. Je sais plus à quoi ça sert les morceaux d'étoile. Y'a rien à gauche? Je me rappelle pas. Yarin. C'est une monnaie, ok. Ah, c'est pour acheter des badges? Ah oui, bah du coup ça va être très intéressant. Ah mais ça me dit quelque chose cet endroit. Non! Oh! Oui! Mais je voulais récupérer le truc en haut. Non, ça mène où ça? Oh bien! Attends. Oh le joueur smart. Ou pas? Et plus, il fallait descendre tout en bas, pas sûr. Non mais je sais pas, il y avait un trou comme si fallait y aller. J'aimerais bien ce morceau d'étoile aussi là. Et je pense que je peux pas l'avoir pour l'instant. Ah. Eh, je sais pas. Donc ça, ah oui, donc là il y avait le tuyau. Ah mais me dis pas qu'il faut que je remonte tout là. Merde. Oh la connerie, oh la connerie. Ils sont quand même assez longs les donjons je trouve, dans le jeu. Allez. Comment je peux l'avoir celui-là? Après, c'est pas très important. Avion, je confonds mes touches, avion. Soleil, soleil. Bravo. Est-ce que j'ai la clé en question ou est-ce que je n'ai pas la clé en question? J'ai la clé en question. Ça y est, nous y sommes. Ok, on s'approche de Carbonara Croc. Lui, je vais le faire tomber.
C'est dommage que l'autre vole, mais bon. On va leur mettre un max de dégâts. Ah non, mais il a le dodo, lui. Oh non, j'espère qu'il peut pas utiliser son item. Oh non. Oh non. Oh non. Oh l'enfer. Et je peux même pas bloquer quand je dors, je crois. Ah ouais, non, oh, c'est horrible. Ah. Oh. Oh, ils font le bloc pas en plus. Oh non. Oh les chiens. Oh, ils m'ont tout mis. Ah, mais c'est retourné aussi mon perso. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais? Le masque casse. Oh oui. Bah merci. Ah, je prends. Je prends. Lourd de feu. Alors... Ok, je sais. Lui, on va le faire tomber. Et ensuite, malheureusement, je n'ai pas tout... Ouais... J'ai pas ce qu'il faut pour attaquer tout le monde d'un coup, malheureusement. On va essayer de le contrer, lui. Moi, j'y crois. Yes. Bon. On va essayer de le tuer avec le contre. Il a plus qu'un PV normalement, donc là il va peut-être mourir. Yes! So long! Palapapalapap. Et level up! Et alors, et qu'est-ce qu'on met là? Est-ce qu'on met des PF ou est-ce qu'on met des. Des PB? Actuellement, j'ai pas besoin de PB supplémentaire vu que je n'ai pas de badge supplémentaire. Mais disons que ça pourra servir pour plus tard. Mais ça va arriver vite, je pense. Hein. Allez, relais PB. En fait, ça va arriver très très vite. On va être en mode oh non, je suis bloqué. Alors que là, j'ai déjà des badges qui me heal, des badges qui me mettent très bien. Mais d'ailleurs, j'en ai récupéré un badge que j'ai pas mis, je crois. Oui, j'ai pas mis dernière chance. Réduit de moitié les dégâts subis par le partenaire s'il a 5 PC ou moins. Bah voilà, tu vois. Eh. Comme quoi ça sert, hein. Et point cœur. Meurs. Alors, bah c'est très simple ce qu'on va faire ici, on va juste te faire tomber celui-là. Et ensuite on va faire un total carapace pour fumer tout le monde. Et là on va le counter. Ah j'ai loupé. Hop. Il se relève mais c'est trop tard. Bravo. Balabalabam. On est bientôt au boss hein. Oh, le boss fight ça va être quelque chose. Petite ambiance ici quand même.
Allez, un petit. Je dépense mes 6 premières pièces du jeu. J'ai osé le faire. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suppose que vous en avez aussi après mon trésor. Alors, jeune sot, vous êtes venu me défier ? Petit comme vous êtes, vous ne ferez pas mon dîner, mais va pour le goûter. Je suscerai donc vos pieds, Puis je vous ferai roussir et vous goberez la tête la première. Quoi ? Allô ? Bizarre. Bonjour à Velu. Par lequel vais-je commencer ? Écoutons la musique de boss. On va faire des coups forts. Le chant des grenouilles, comment savais-tu ? Ah, le timing est dur, j'ai l'impression qu'il y a un délai. Merde, ah mais je loupe tout parce que je suis en train de tousser. J'ai l'impression qu'il y a un petit délai quand même, alors est-ce que c'est à cause de ma capture ou est-ce que c'est... Ou alors c'est parce que c'est le remake qui lag un peu. Mais du coup j'ai l'impression que mon super robot il marche plus aussi bien. Ouais putain, j'arrive pas à le maintenir. Faire un coup fort. Bon, il y a un plot twist dans ce fight, hein, vous allez voir. Attends un peu. Attends, je te dis, je toucherai pas. Mais laisse-moi souffler, merci, pardon, je le ferai plus. Ah, tiens, pour m'excuser, je vais donner 10 000 pièces. Non. Tu le veux pas? Alors tu accepteras peut-être que je t'offre un badge. Ah, ça, je veux bien. Ah non, mais je vais prendre des dégâts, putain, je suis con. Ah. C'est vrai qu'on prend 5 dégâts si on accepte. Putain, je me rappelais plus qu'on faisait baiser comme ça. Bon, je voulais le badge. Elle va manger le public. 100%, elle va manger le public. Hop là, moins 5 plus 10. C'est bien. Miam miam. Oh, mes forces sont revenues! Bon, là, j'ai plus que 4 PV, du coup, c'est un peu la merde. Bon, on va faire un petit top form, je pense. Non, j'ai touché la merde! Fais chier. Oh! Stylé. Bon, y'a pas de public pour faire monter la barre. Bon, je vais essayer le super rebond, mais... Mais putain, j'arrive plus! Le timing, il est... Il est devenu horrible. Oh! Alors peut-être.
Oh! Oh le soleil! Ça remet tout! Oh! Oh, c'est 100% win là. Et c'est terminé! Mais je... Ah, trop tard! Bleh. Mort. Pour l'XP. 100 balles! Non, ça donnait pas 100 balles avant le combat. Let's go! On a réussi, Mario. Il ne reste plus qu'à trouver la 7ème étoile que tu cherches. Hop là, c'est moi le daron, je suis encore en vie, ah oui. Plot twist. T'es parti acheter des clopes et puis... Oh. Hein? Ah papa. Ah bah j'ai joué à Coupec. Ah comme tu as grandi, on en a de chance. Mais c'était il y a une semaine. Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps? Bah j'étais parti affronter Carbonara Croc, n'est-ce pas? Bah j'allais réussir, mais la branlie s'est piquée et nausée à bon. Bah je suis monné pour m'affaiblir et me gober d'un coup. Bah j'ai passé 10 ans caché dans ma carapace, et dans son ventre, à 10 ans quand même. Ah j'avais vraiment du bien de sortir de là. Ah tu sais, à tout le monde j'ai beaucoup inquiété, je croyais que tu en reviendrais plus. Ah bien tu vois, je suis encore là. Ah, j'ai le plaisir de te voir, hein, évidemment. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici? Bon, je suis pas venu juste tracer le dragon. Et puis Mario qui est là en quête d'une pierre qu'on appelle la gemme étoile. Ah bah ça tombe bien, regarde, elle est dans mon cul. Hop là. Mais... Elle était dans le vent de Carbara Croc. Ah, j'ai trouvé jolie alors, je pensais la garder. Mais si c'est la pierre que vous cherchez, je te la donne, Mario. Je m'en remercie pas. T'as un ami de Coupec. Waouh. On peut faire coup de séisme. Très fort coup de séisme. Grâce à la carte magique de la princesse Peach, Mario a trouvé la gemme étoile du château. Maintenant que Carbara Croc est hors d'état de nuire, les habitants de Carafleur vivront paisiblement. Coupec est très heureux. Il a retrouvé son père, il croyait mort. Mais toujours aucune trace de la princesse Peach. Où peut-elle bien être? La quête de Mario ne fait peut-être que commencer. Et d'ailleurs, où est Peach? Pendant ce temps... Dans l'espace, dans la base secrète des méchants. Tant que sinistre, nous t'aimons la princesse Peach. Pardon, ouais, je sens que là, la voix commence à partir. Parfait, tu vas peut-être te décider à me dire où tu as caché la fameuse carte. Hein, Peach? Mais je ne sais pas où elle est, je vous l'ai déjà dit. Pardon, je suis malade. Inutile de mentir, je sais que tu as eu la carte entre les mains. Je te conseille vivement de nous dire où elle se trouve. N'oublie pas, nous autres les méga Cruxis ne sommes pas des tendres. Oh. Et Grand Cruxis Sinistre, un rapport pour vous. Qu'y a-t-il? Il semblerait que quelqu'un vienne de dérober la chaîne étoile de Carbara Croc. Ouah! Quelqu'un d'autre serait sur la piste de Gemme Étoile. Est-ce même quelqu'un qui aurait terrassé Carbara Croc? Oui, d'après nos informations. Il s'agirait d'un homme à casquette rouge avec une grande moustache. Mario! Hein? Mario? Hein? Je vois Mario. Très bien. Je veux tout savoir sur ce Mario. Mais ils sont tous trop cons dans ce jeu, c'est grave. Oui, on est à la recherche des... Faut pas leur dire qu'on est à la recherche des Gemme Étoile. Oh non, je l'ai dit. C'est bon aussi. Vous pouvez reconduire la princesse Peach dans ses quartiers.
À vos ordres. Ah, et sans la brutaliser, c'est un ordre. À vos ordres. Il dit rien, Robotnik, là, à gauche. Bruxerox. Et ce Mario détient la carte. Il va sûrement aller au bois insolite, chercher la gemme qui nous intéresse. Retourne sur le champ, au bois insolite, et trouve cette pierre. Ouais, compris, grand crux sinistre. Bruxerox ne s'en sortira jamais tout seul. Voyons voir. Y'a quelqu'un? Vous m'avez appelé, grand crux sinistre? Convoque-moi l'obscur trio. Ah, les personnages de fou aussi. L'obscur trio? Mais vous savez... Rien du tout. Convoque-les-moi. À vos ordres. Nous sommes là. Yeah, la princesse vous a dit où trouver la carte. Il semblerait qu'un certain Mario soit en sa possession. Ce qui ne nous serait jamais arrivé si vous avez kidnappé la princesse au bon moment. Ah peut-être, mais il va y avoir trop de monde là-bas. Et puis un drôle de type assez vieux est arrivé. Je crois pas que c'était un de ces laquais. Bref, on récupère la carte et on oublie tout, d'accord? Entendu, cette carte est essentielle pour les méga Cruxis. Donnez immédiatement vos informations concernant Mario à mes hommes. Marjolaine, compte sur l'obscur trio. Corrigez-moi ce Mario. Vous serez pas déçus de mon rapport. Allons-y. Marilyn, Viviane. OMG Viviane. Ça va être la fin là. Je pense qu'on fera pas de deuxième chapitre là aujourd'hui. J'ai tout donné. Je me tue à la tâche pour vous. Ça mérite au moins 10 000 subs. Il doit se faire un sang d'encre. Et je me demande bien où je suis enfermé. Seulement je peux faire savoir à Mario que j'ai été enlevé. Oui, la musique. Musique incroyable aussi, ça. Hein. Lui, il est plus doux qu'il en a l'air. Au moins, mon sommeil ne pâtira pas de la situation. C'est vrai qu'on lui fait prendre des douches. Hop là, à la douche. Dans ce Mario, Peach se douche dans le train. Non, pas dans le train, là. C'est quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'a fait la Peach? J'ai jamais vu ça. What the fuck? Qu'est-ce qu'elle a fait, là? Pourquoi elle est rentrée dans la baignoire? C'est bien agréable. Oh, c'est fait une petite couette. Hop. Ça ne s'ouvre pas. Bien, la porte s'est ouverte toute seule. Personne. Il ne marche pas. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, c'est Jarvis. Bonjour, Princesse Peach. Hein? Mais qui est là? Où êtes-vous? Je suis là, juste devant toi. Je suis Tech XX, l'ordinateur central de ce laboratoire. Les gens m'appellent Tech. Je suis l'ordinateur parfait, le plus intelligent du monde, conçu par Crux Sinistre. Crux Sinistre? J'ai vu le personnage tout à l'heure. Le grand Crux Sinistre n'est pas un vieux personnage, c'est un homme admirable. Naturellement. Mais dis-moi plutôt, pourquoi m'avez-vous fait venir jusqu'ici? Quand on t'a amené ici après t'avoir enlevé, je me suis déréglé en te voyant. Vitement, mes circuits se sont mis à chauffer. Même les machines s'y mettent, c'est compliqué, hein. Cela a déclenché un signal d'arrêt d'urgence, je n'avais jamais connu ça. De plus, j'ai envie de t'observer, de te regarder, pendant la douche notamment. Analyse impossible, cause inconnue pour ordinateur parfait.
Je dois absolument comprendre cette surchauffe, c'est pour ça que tu es là. Vous avez envie de me servir? Vous avez fait une recherche? Mais alors? Non, c'est impossible. Vous n'êtes qu'un ordinateur. Que m'est-il arrivé? Parle si tu sais quelque chose. Non, enfin, c'est-à-dire que... Je peux pas dire ça. Parle, je t'en prie, ou je te tue. Je suis censé être l'ordinateur le plus parfait du monde. Je ne peux pas me permettre d'ignorer quoi que ce soit. Eh bien, disons que tu dois être amoureux de moi. Amoureux, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est d'être amoureux. Être amoureux, c'est vouloir toujours être avec l'autre. C'est se réjouir du bonheur, du plaisir de l'autre. C'est vouloir aider l'autre à trouver quand il est en difficulté. Bonheur, plaisir, ça n'existe pas. Je n'ai pas trouvé ça dans mon registre. Pardon, c'est embêtant. L'ordinateur parfait, je ne peux pas me permettre. Oui, mais vois-tu, il ne s'agit pas de compréhension. Princesse Peach, veux-tu m'apprendre ce qu'est être amoureux? Quoi? Mais tu plaisantes. Je ne peux me permettre de pas comprendre quelque chose. J'aimerais donc que tu m'aides à comprendre ce que signifie amoureux. Si je peux te rendre un service en échange, j'essaierai de le faire. Bien entendu, si tu dois juste échapper, je ne pourrais pas t'aider. Assez, vous m'avez fait prisonnier, toi, les tiens. Tu me fais venir pour demander de t'apprendre ce que l'amour. Mais putain, mais vous me cassez les couilles, là. J'en ai ras le cul. Même si j'avais un service à demander, je sais bien que tu me le rendrais pas, donc va te faire foutre. Je comprends. Ne dis rien. Je dois savoir ce que c'est d'être amoureux. Je dois à tout prix être un ordinateur parfait. J'ai jugé que cette information valait bien service en échange. Tu comprends, Peach? Alors dis-moi ce que je peux faire pour toi. Tu es vraiment prêt à me rendre un service? Bah j'aimerais envoyer un message à Mario. C'est possible. Tu peux utiliser mon émetteur pour envoyer un mail à qui tu veux. Si tu le souhaites, Princesse Peach, tu peux le faire tout de suite. Bah voilà. D'accord. J'y vais. Ordinateur. Et voilà, tu peux l'envoyer. Oh pardon. Je vais te demander de retourner à ta chambre à présent. Je te rappellerai si j'ai d'autres choses à te demander. Non, il lui a dit qu'elle pouvait pas partir. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit, Princesse Peach. C'est des phrases qui vont revenir très souvent, ça. Oh oui, on va jouer Bowser, c'est vrai. Enfin non, interlude Bowser. Et oui, il existe, le personnage. Oh, la musique. Entrée en scène du grand et super Bowser, c'est-à-dire moi. Et Kami Koopa, elle demande ma présence, c'est quoi cette histoire? Seigneur Bowser, Dame Kami Koopa vous a fait dire qu'elle sera la choupeux. Avec tout notre respect, si vous avez l'obligeance de patienter près du trône. Là, c'est moi qui contrôle. Je peux sauter et faire du feu, regardez. Mort. Mort. Y'a pas à dire, je suis vraiment trop bien. Quand j'aurai conquis la planète, je ferai mettre ses statues partout. En fait, il a l'air tellement débile, le Bowser de Paper Mario. Quelle que soit l'angle, je suis parfait. Quand j'aurai conquis la planète, je ferai mettre ses statues partout. Pour lever les yeux, ce sont des diamants. J'ai trouvé des diamants. C'est une blague. Il sait plus quoi dire. Sir Bowser. Sir Bowser. Me voici, désolé d'avoir fait attendre votre générique. Mais Koopa, pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici, hein?
Je suis dépêché. Eh bien, il semblerait que ce crétin de Mario ait été vu à Port Lacadaille, oui. Ah! Comme si j'étais intéressé par ce que faisait ce ver de terre de Mario. Et c'est pour me dire que tu m'as fait... C'est pour ça que tu m'as fait venir. Ah, mais ça, Sir Bowser, c'est parce que Mario serait sur la piste d'un trésor, oui. Tu dis un trésor? Apparemment, il chercherait une pierre en forme d'étoile, une jeune étoile, oui. Nous enquêtons sur cette pierre, mais... Jeune étoile? Ça sent la puissance, c'est pas faux. Continuez les recherches. Bien, Majesté, remettez-vous-en à moi, oui. Votre Majesté, vous aimez les omelettes. Hein? J'adore. Ouais, j'adore. Pourquoi? Eh bien, d'après le rapport de la plaine Ragobé, est très jolie, alors. Pensez à aller faire un pique-nique avec tout le monde, oui. Bien sûr, sa seigneurie viendrait avec nous, oui. Idiot! C'est pas une sortie loisir, quoi, à faire. C'est parce que vous êtes tous comme ça que je suis pas le maître du monde. Ah! Voilà, voilà, c'est un bonheur, vous en avez pas. Hein, quoi? Comment, vous êtes sûr? Majesté, c'est terrible. Quelqu'un a levé la princesse Peach. Hein? Ouah! C'est quoi cette histoire? Quel plaisantin que vous avez fait une chose pareille? C'est vraiment de la merde de faire ça, qui pourrait faire ça? Hein? Nous l'ignorons, oui, nous sommes en quête en ce moment, oui. En tout cas, l'enlèvement de la princesse Peach, je ne fais aucun doute. Personne d'autre que moi n'a le droit d'enlever la princesse Peach. Je ne peux pas laisser faire ça. Zou, pour la canaille, on reprend la princesse. Hop là. Bien, Bowser, attendez-moi. Pourquoi il y a une moustache sur le tableau? Retour Mario. Lui, que tu vas continuer à accompagner Mario au Koopek. Ah oui, papa, je vais aider Mario à poursuivre ta quête. Et quand je reviendrai, je serai aussi fort que toi. Ah, c'est bien dit, tu n'es pas mon fils pour rien. Ne l'oublie jamais. Oui, mon fils, et je suis ton père. Oui, bon, bah, c'est quoi cette phrase là? Je t'attendrai, Koopek, j'attendrai que tu te sois trouvé. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, reviens nous voir. N'hésite pas, tu seras toujours ici chez toi. Merci beaucoup, bien en route. Excuse-moi, t'as fait attendre Mario. Où allons-nous maintenant? Attends d'abord à Port Lacadaille. Tu te souviens, Mario? Il tient la carte magique à la porte millénaire de ce parchemin ira brandir. Ainsi que blablabla. Il y avait autre chose. Une pierre étoilée montrera l'étoile suivante. Quelque chose comme ça. Ça nous arrange bien en vrai. On devrait essayer d'apporter la gemme étoile. La position de la prochaine gemme étoile sera peut-être révélée sur la carte. Assurément, allons-y. Ça serait fou. Ça serait quand même assez fou en vrai. Eh bien écoutez, messieurs, dames. Moi je vais m'arrêter ici. Je vais trouver un point de sauvegarde. Et du coup, on aura fait le premier chapitre en entier. Le remake pour l'instant très cool, les musiques très cool. Très sympatoche. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y en a qui découvrent le jeu pour la première fois, qui n'avaient jamais joué avant au jeu? Juste pour savoir. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vraiment ne connaissaient pas du tout Paper Mario et la porte du millénaire?